Si on pense qu'on est arrivé quelque part, c'est l'assurance d'être au moins bon le lendemain. La question que tu te poses et la problématique que tu as, dans l'immense majorité des cas, quelqu'un s'est déjà posé. L'anticipation des emmerdes, c'est essentiel. Il faut comprendre et être convaincu, euh, c'est le début de tout. Il n'y a que quand tu es en aventure que tu as du temps, en fait, toi, c'est ça, non Non, en tu fait, cours euh, euh, Non, mais pas vraiment, quoi. Est on est là pour une mission et puis, euh, tu vois, il n'y a pas assez de d'heures, de un jour ouais. euh, pour faire ce qu'on veut faire et d'avancer. Ça veut dire que j'ai une philosophie aussi où je, je change mon horloge biologique et puis là, on, on rentre dans la vraie vie. D'accord. En fait. Tu la changes quand, tu veux dire euh, En fait, on change l'horloge en faisant une journée de 30 heures de longue et pas de 24 heures. Ah oui Et comme ça, tu chaque quatrième jour, tu as gagné un jour. en fait euh, Tu fais des journées de 30 heures oui, ce n'est pas nécessaire de travailler euh, comme ici à Paris mmh. euh, dans une journée de 24 heures parce que toi, tu es toute seule. Et ouais. puis euh, tu changes. En fait, tu dors 5 heures en 24 heures. Ouais. Tu manges 5 heures en 24 heures. Et tu travailles ou tu marches ou tu grimpes euh, pendant 14 heures. OK. Et puis si tu, fais, si tu fais une journée de 30 heures de long. Tu dors 5 heures, tu manges 5 heures, mais tu marches 20 heures. Okay. Et puis c'est comme ça, tu, chaque quatrième jour, tu gagnes un jour parce que tu as ajouté 6 heures à ta journée et tu gagnes un jour de nourriture. Et tu n'es pas cramé euh, Non, c'est une question d'habitude en fait. Ouais. Euh, de, dès que tu commences à changer l'horloge biologique, euh, c'est plus facile quand il fait jour 24 heures sur 24 ou nuit 24 heures sur 24. Mm. Et puis quand je traverse l'Hipólome Nord, par exemple, Uh, il fait nuit 24 oui. heures sur 24. Ça veut dire que tu dors, il fait nuit. Tu te réveilles, il fait, il fait nuit. Et puis, um, tu prends l'habitude. Et puis, dès que, tu, um, dès, dès que tu peux gagner des calories mm. en marchant et pas en dormant, parce que tu brûles aussi des calories, oui, c'est là où l'homme s'adapte. Ça veut dire que les calories, c'est en fait l'essence qui détermine la distance que tu peux faire. C'est chaud parce que quand même euh, 5 heures en 24 heures déjà en sommeil, c'est pas beaucoup. Mais alors en 30 heures... Pfff. Oui, c'est l'effort physique mm. qui est important euh, et, et l'effort mental de toujours euh, savoir si tu es vraiment sur la bonne route. Euh, mm dans la bonne direction. Et puis, euh, autour de toi, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de dangers. Mmh. Il y a la glace, l'épaisseur de la glace qui change. Il y a des ours qui peuvent venir. Euh, la glace peut pivoter. Et puis, euh, tu ne peux pas juste utiliser un GPS pour l'orientation parce que... Cristal liquide gèlent à moins 18, et mmh. puis quand il fait moins 40, euh, as pas un écran. tu n'as pas d'écran. Tu ne peux pas utiliser une boussole parce qu'une boussole il tourne en rond, mmh. parce que tu es en haut de la, la chambre magnétique. Tu n'as le... pas le soleil pour vraiment t'orienter. Tu n'as pas de soleil et puis tu as des étoiles. Mais il faut, il faut aussi connaître les étoiles. Et dès que tu as un peu de nuage qui n'est qui est, euh, pas bien placé, tu ne vois pas tes étoiles. C'est vraiment un des trucs fous dans, dans Alors Mike, je vais, je vais, on va on va rentrer dans l'épisode, tu en es déjà bien rentré, mais dans tout ce que t'as. Euh, toutes ces aventures que t'as vécues... Euh, c'est l'accumulation de connaissances totalement dingue c'est-à-dire euh, euh, se diriger par les étoiles euh, euh, enlever euh, des trucs qui sont euh, allés faire des œufs sous ta peau euh, manger bah, pouvoir manger ce que tu trouves et bah, parce que tu trouves pas faire du, du, du bateau de la navigation euh, 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 faire de, de escalader des montagnes euh, du froid du chaud euh, du soleil euh, en veux-tu en voilà euh, euh, du gel de la nuit de, de, du désert c'est enfin c'est n'importe quoi. Et je voudrais juste commencer cet épisode par dire 1. J'ai pas été déçu quand j'ai ouvert la porte. Euh, parce que j'ai vu Mike Horn tel que je m'attendais à le voir alors je te pensais plus grand et finalement oui c'est vrai je, je, je suis rassuré parce que je me dis il est beau comme un camion à son âge et euh, il est presque pas plus grand que moi un peu, un peu quand même je crois euh, mais voilà en revanche quand tu m'as serré la main tu m'as broyé la main ah, c'est j'aurais dû le prévoir pas de légion, ouais. je, je, je me suis dit je suis con j'aurais dû le prévoir mais j'ai mais ouais, bah. peut-être ah, voilà, ce petit moment de surprise et puis je dis, normal c'est Mike Horn tu vois euh, c'est une belle marque de fabrique. Donc, <laughs> voilà, je suis vraiment hyper content de te recevoir. Euh, on, on va se marrer. Je me suis plongé ces derniers jours dans tes, tes aventures, euh, des lectures, des, des vidéos, euh, des tas de choses depuis longtemps hyper bien documentées. Euh, et et c'est très cool. Euh, je vais te raconter juste un truc avant de te proposer, de te demander de te présenter, si tu veux bien. Euh, la petite histoire de ce de ce podcast, la rencontre entre nous, tu la connais ou pas Elle t'a expliqué ou pas non, Annika Non non non, Il se trouve que donc Annika ta fille avec qui j'ai parlé pour organiser ouais. tout ça, euh, on a été mis en relation euh, par euh, un jeune homme euh, qui s'appelle Jérémy, Jérémy Chalroux euh, et euh, qui a enregistré un podcast lui-même avec ta fille, d'accord ouais. Et euh, et lui, je le connais comment Je le connais parce que euh, un jour, euh, sa copine, quelques semaines avant ses 30 ans, m'avait dit, il aimerait vraiment te rencontrer, Mathieu. Euh, euh, tu vois, il écoute beaucoup tes podcasts, ce serait cool, etc. Ah, euh, donc moi, avec ses, ses, ses potes, on a décidé de lui offrir pour ses 30 ans une rencontre avec toi. Moi, j'étais un peu surpris, j'ai pas l'habitude de ça. Toi, peut-être plus que moi, mais moi, c'était un peu. Puis bon, je dis, bah, ok, vas-y, go. Euh, je dis, on va déjeuner. Puis au lieu de déjeuner, en fait, j'ai enregistré un épisode avec lui euh, que j'ai jamais sorti, mais ouais. euh, euh, on a enregistré un épisode que je lui ai donné. Il m'a dit qu'il voulait pas le sortir, mais il était rigolo pour ça cet épisode. J'ai Jérémy, euh, petit message au passage. Et, euh, et pour la petite anecdote, dans l'anecdote, je lui ai refilé le Covid, je savais pas que je l'avais. Euh, <laughs> en enregistrant, c'est la mais seule ça, personne... Bien, mais ça c'est bien, j'ai heard immunity, oh là, <laughs> il faut filer ce qu'on... <laughs> Et donc du coup, c'est la seule personne, en tout cas à ma connaissance, à qui j'ai refilé le Covid, mais euh, voilà, c'était Jérémy. Et donc, en fait, juste pour dire que tu vois c'est ce, cet acte euh, en fait sympa gratuit euh, tu vois euh, bah, me retombe me permet de retomber sur mes pieds avec un épisode euh, avec Mycorn en face de moi donc voilà mon message à tout le monde c'est de dire euh, bah quand il y a un truc que vous sentez bien une petite action sympathique et gratuite et bah, faites le quoi parce que non, 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 mais souvent évite, ça te tu, dois, tu dois donner dans la vie pour recevoir ouais. et puis, euh, en même temps euh, on vit dans, dans, dans ce monde qui a devenu un peu fou et puis on essaye de se protéger mais il faut se libérer, et puis du moment quand tu es libre dans la tête, tu cherches pas toujours de faire quelque chose pour avoir une valeur pour toi, mmh. mais de partager une valeur. Et puis une fois que tu vis comme ça, la vie devient beaucoup plus facile. <rire> <rire> Un philosophie très simple. Philosophie très simple, Donner pour recevoir. Euh, Mike, je te propose de te présenter. Mais voilà, j'ai descendu de l'Amazon à la nage. Ouais, j'ai traversé de deux pôles. J'ai fait 27 tours du monde euh, sur un voilier. J'ai suivi l'équateur autour du monde. Ouais, j'ai descendu de l'Amazon à la nage. Euh, j'ai grimpé quelques 8000 mètres. Euh, et puis, euh, je suis né en Afrique du Sud. Je suis Mike Horn. Je suis un explorateur professionnel. <laughs> explorateur professionnel. Alors j'ai vu plein de trucs en, en préparant tout ça qui m'ont bien fait marrer. Euh, j'ai vu une vidéo de toi où tu disais euh, que depuis tout petit ce dont tu rêvais euh, euh, c'était... Euh de, de rencontrer, d'aller voir des anacondas, des piranhas, euh, euh, d'avoir des parasites qui te pondent des œufs dans la peau. Euh, là, je me suis dit, ce mec est complètement fêlé, il est, il est, il est vraiment très chelou, quoi. Euh, mais donc, du coup, tu as réussi, hein, tu as accompli ses rêves d'avoir des parasites. Tu, tu l'as encore, cette belle cicatrice Oui, euh, ouais, ouais, <laughs> mais il y, y a plusieurs ils sont, euh, <laughs> puis Dès qu'ils sortent leur tête, il faut l'attraper parce que tu veux pas que ça <laughs> rentre plus profond. <laughs> Et tu partages dans <laughs> tous ces trucs des anecdotes, mais, mais ah, ce truc du. Quand tu fais pipi dans les, dans les, dans les cours d'eau, là, et que ouais, tu vas ouais. voir ce petit poisson qui te rentre avec ses écailles, si tu tires, oh la vache, tu m'as fait. Ouais, c'est une, une horreur. En fait. <laughs> <laughs> c'est une cauchemar, plus. <laughs> euh, et il y a une question, du, du coup, je crois que quand, là où je l'ai vu. Je l'ai entendu dans une de vidéo, tes vidéos YouTube. Tu as une grosse chaîne YouTube qui est pleine de belles aventures que je recommande vraiment à, à, à suivre. Euh, et je pense qu'elle doit avoir, dans cette vidéo, ça doit être au moment de l'attitude zéro. Donc c'est quoi, 91, ouais, ouais, 93 90, Ouais, exactement. Euh, ouais, ouais. Et euh, tu dis, on m'a demandé 50 000 fois, pourquoi tu fais tout ça Et j'ai pas la réponse. Alors je me dis là maintenant, presque 30 ans après... Euh, on a dû te le demander un million de fois maintenant, désormais. Ouais, ouais, ouais. Est-ce <laughs> que tu as trouvé la réponse Écoute, euh, la réponse c'était pourquoi pas commencer plus tôt de ma vie Pourquoi <laughs> j'ai attendu aussi, aussi longtemps de faire ce que j'aime Et puis, je pense que jamais euh, de ma vie comme un explorateur, même dans les plus grandes galères, jamais je me demandais pourquoi je suis là. J'ai décidé d'y aller... Et cette liberté d'engagement, de faire quelque chose qui apporte la valeur personnellement à, à, à toi-même, euh, c'est une récompense pour cet engagement. Et puis quand on ne se demande pas pourquoi on est là, on sait qu'on fait quelque chose qui est bien pour nous. Et puis des fois, j'essaie d'expliquer aux gens que je n'ai pas besoin de me motiver pour sortir la tente à moins 50. Je n'ai pas besoin de dormir pour 8 heures par jour pour récupérer. Je, je suis là parce que j'ai choisi d'être là. L'engagement est à 100%. Et puis après, il faut avoir un peu de, de, de discipline dans la vie, de faire ce qui est difficile à faire. Et puis avec cette discipline qu'on peut appliquer chacun de nous euh, de, de notre vie, euh, c'est là où tu peux devenir motivé. La motivation, c'est trop court en duration. La, la motivation, c'est quelque chose qui n'a pas... En... et quelque chose qu'on met en place pour dire que je fais quelque chose que je n'ai pas vraiment envie de faire. Hmm. Ça veut dire que... Ok, je me motive. Quoi. Je Allez, me je motive, oui, oui, oui. Puis ça, c'est ouais. une, une invention des Américains, un peu. <laughs> presque de dire, mais rara, ra, ra, pense positif, et puis après tu es motivé, mais c'est une action positive qui nous amène vers la motivation. Et la motivation, à moins 50 l'intérieur de la tente, j'ai pas envie de sortir de la tente. Je suis pas du tout motivé, mais je suis discipliné. Et cette discipline, chaque jour, cinq minutes avant les réveils, ils, ils sonnent, je suis debout, je suis en avance, je suis pas en retard. Parce que ça va faire la différence entre la vie et la mort. J'ai deux questions là-dessus. Euh, comment tu la travailles et, et d'où elle vient Je pense que c'est un respect vis-à-vis -vis de, de Corona vis-à-vis -vis de, de notre vie personnelle. Et puis, quand on respecte notre vie et on sait qu'en vie en général, a que 30 nuits jours jusqu'à l'âge de 82 ans, 30 000. Euh, euh, 30 000. Et la moitié du temps, on dort. Ça veut dire que 15 000 jours, on est au lit, on dort. On n'a que 15 000 jours pour vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Jusqu'à 50, tu ne fais pas grand-chose. Hein? Mm. Tu es à la maison, euh, euh, puis euh, tu es un peu dépendant de, 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 de la famille pour vivre. Mais après, quand tu commences vraiment à de prendre des décisions, qui t'apporte la valeur, c'est là où tu vois qu'en travers une discipline, on arrive de faire beaucoup plus avec ces 15 000 jours qui nous restent. Et cette discipline qu'on doit appliquer à la vie nous permettre en fait de surpasser les obstacles, que des moments difficiles pour les autres et des moments normaux pour toi. Et c'est comme ça que tu, tu construis ta vie. Un travers une discipline de faire des choses que tu aimes pas faire mmh. de d'aimer ce qu'on ne fait pas de faire la peur ta maison presque où tu dis mais j'ai pas peur de perdre mais j'ai cette envie de gagner mmh. et, et, et ça c'est qu'un travers de la manière qu'on pense quand on pense que c'est impossible c'est sûr que ça peut pas être possible mais quand je me donne une bonne chance de dire que c'est possible. Déjà, là, j'applique ces disciplines pour m'entraîner. J'applique ces disciplines de faire ce que je n'ai pas envie de faire. Et là, tout d'un coup, tu vois, waouh, ça devient impossible. Euh, tu connais Joko Willink Ça te parle ou pas Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, cette, cette grande, lui, son gros mantra, c'est Discipline equals freedom. Euh, Exactement. Donc, les, 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 un, fin, moi, ça me parle. Tu vois, euh, j'aime faire euh, du sport. Euh, J'en ai parlé ici. Au moment où je te parle, je prépare, ça, ça reste tout petit, mais un semi-Ironman dans dix jours, tu ouais. vois. Donc là, je fais attention à ce que je mange. Je, je, euh, je m'entraîne tous les jours ou presque. Euh, et, et je trouve ça... En fait, je me sens vachement bien. Je trouve ah, mais c'est ça. hyper cool. C'est ça, 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 ça donne une structure. Ouais. Ça donne de la motivation de faire des choses que normalement, tu n'as pas envie de faire parce que les gens pensent que... Euh, en fait, la vie, il, il, il doit être facile. Non, la vie, il est comme il est, et puis si nous, on n'est pas mieux la vie peut devenir plus difficile ou plus facile. Mais il y a des gens qui veulent se rendre la vie facile, qui se disent en fait j'ai pas de raison d'aller de euh, courir ou de faire des abdos le matin ou de, euh, de, euh, de me donner des, des, des peines en plus pour apprendre à gérer, d'être en forme physique d'être en forme euh, mentale de lire des livres en plus je préfère en fait rester chez moi et regarder des séries à la télé en mangeant des chips Ouais mais mais après est-ce qu'ils sont vraiment contents à l'intérieur d'eux-mêmes quand ils se regardent dans le miroir euh, et puis ils disent, mais est-ce que je suis content avec mes choix Et s'ils si sont contents avec leurs choix, c'est bien parce que mmh. tu as quelqu'un qui est content d'être comme ça. Mais on ne peut pas être tout le monde comme ça. Ça veut dire que pour moi, je, je crois dans cette conviction. Quand tu es convaincu, que tu peux vraiment faire quelque chose, même si ça n'a jamais été fait par avant. Cette conviction te permet de faire des choses que tu n'aimes pas faire et que les autres commencent à croire en toi. Mm. Quand je vais traverser les pôles nord ou les pôles sud ou je pars en expédition, quelque chose que j'ai jamais fait par avant, je suis convaincu que je, je peux arriver. Même si je sais que si je fais une erreur, je peux mourir. Mmh. Mais cette conviction faire en sorte que je crois en moi-même. et de croire en toi-même, tu dois être physiquement et mentalement préparé. C'est la grosse différence chez toi, c'est que ces convictions ou ces rêves que tu veux accomplir euh, par rapport à beaucoup d'autres, au mien, notamment hein, c'est que le, 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 la mort dedans rentre dans l'équation. Euh, très clairement, euh, on, va, on va revenir là-dessus. Je voudrais juste rester sur ce truc du, du discipline equals freedom. Euh, toi, tu as été militaire, euh, Joko Willink également, Nevisil. Est-ce que c'est un truc de militaire ça Est-ce que. Euh, euh, et tu vois, euh, ce qui est marrant, c'est qu'à la fois, moi, j'y crois assez dur comme fer. Je pense que. Euh, en ce moment, il y a une grande vague de. Euh, euh, on parle beaucoup de santé mentale, euh, de, euh, et, et de, de, de savoir se laisser aller, etc. Je trouve ça super bien. Mais euh, je trouve aussi qu'il y a justement un, un, une sous-valorisation de la discipline. C'est-à-dire que euh, souvent, quand tu es bien discipliné sur pas mal de choses, tu disais ça te permet d'être heureux. Tu es heureux, toi Ah, mais, mais, mais moi, je dis aujourd'hui et puis pendant toute ma vie. Souvent, dans les moments un peu difficiles, je, je me demande ou je me pose la même question. La question, c'est que euh, est-ce que tu fais vraiment ce qui te rend heureux et qui t'apporte la valeur Et la question et, et, la, et la réponse est toujours un peu pareil. C'est que je suis exactement où je, je choisis d'être à ce moment. Et c'est sûr que des moments difficiles, euh, c'est là où la vie devient un peu intéressante. Et pour moi, qui est un explorateur, je, je choisis de faire des choses qui sont difficiles mmh. parce que ça me rend heureuse. Quand la vie est, est, est presque trop facile, euh, c'est là où j'ai trop de, de, de temps de réfléchir, c'est là où. On pense à, à, à beaucoup d'autres choses et puis c'est presque les temps perdu parce que c'est on n'a pas on n'a pas vraiment clair une vision claire sur où tu vas aller c'est des, des idées hein, qui partent un peu dans l'air comme ça et puis dès qu'on commence à structurer ces idées c'est là où on dit tu dit ah ouais mais c'est ça que je veux faire et nous, on a besoin de notre vie en structure. C'est les militaires, comme tu as bien mentionné, oui, ça m'a apporté une discipline, mais je ne suis pas par nature quelqu'un discipliné. Une discipline, ça, ça s'éduque à la maison. C'est d'avoir des respects. C'est des valeurs, les valeurs humaines qui amènent une discipline dans la vie, de respecter les gens. Il, il ment il ment je vous dis il ment c est, c est... non non ouais. j'ai <laughs> pas ça naturellement j'ai lu quelque part que à, quand tu étais petit avec ton père euh, tu allais courir avec lui tous les jours à 6h du matin mais tous les jours tous les jours <laughs> il te dit la discipline c'est pas ouais. c'est pas inné chez toi quand même tu vois mais, mais que je veux dire c'est que là c'était à 6 ans euh, 7 ans 8 ans non c'est ça non, non 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 mais j'ai commencé à 8 ans ouais 8 ans et puis après aussi <laughs> j'ai eu un seul règle et puis les règles, c'était à 6 heures du soir, je dois être à la maison. Mmh. Je n'ai pas besoin de dire à mon papa où je, où je veux passer ma journée. C'est en rentrant que mon papa était là. À 6 heures. je voulais partager avec lui ce que je faisais. Et parce qu'il y avait une seule règle facile à suivre, à 6h du soir, tout les soirs j'étais à la maison. Dans un pays dangereux quand même, non ouais, l'Afrique du sud, sud était, était, c'est sûr que on était pendant l'époque d'apartheid, Il y avait beaucoup de, ouais, de manifestations que, euh, contre les blancs et contre les noirs, et puis ils brûlaient des gens euh, dans les roues de la du sud. Malgré ça, tes parents te laissaient sortir, laisser aller. Okay. Et puis c'est justement là où tu dire que. Euh, si on donne la liberté avec la responsabilité aux enfants il y a certains certains enfants qui qui sait quoi faire et les autres qu'on doit amener un peu par leurs mains parce qu'ils sont pas ils sont pas aussi dans l'esprit de survie de d'exploration de de découverte et tout ça. Ça, c'était à quel âge, ton, ton 18 heures à, laquelle tu, à, partir. À, à partir aussi de, de 8 ans. Quand et mon tu, papa tu... il disait que, il, il me disait, mais il se réveille, ces petits garçons, il se réveille à 6 heures du matin pour aller courir avec moi. Il, je sais qu'après, il est discipliné pour rentrer 6 heures du soir. Je sais qu'il y avait une autre règle hein, qui était. Et qui, qui disait, ma maman me disait que tu dois rentrer comme tu es parti. Je veux pas que tu rentres avec les os cassés. Je veux mmh. pas que tu rentres avec euh, euh, complètement fracassé. Tu dois rentrer exactement comme tu es parti. Et si tu as eu un problème ou il y avait un accident, il faut venir me dire. Et okay. cette communication qu'aujourd'hui... On ne donne pas, on, on, on essaye toujours d'amener nos enfants par leurs mains et puis en disant Mais il faut pas approcher ces falaises, hein? il mm -hmm. faut pas. Moi, je pouvais aller aux falaises et je pouvais regarder en prenant, en prenant des risques, c'est sûr. Mais après, ça m'a appris de prendre des décisions qui sont calculées. Et si on n'a jamais pris des décisions jeunes, qui est des décisions pas mal importantes, Comment on apprend à avoir une discipline, comment on apprend à avoir une autonomie, une autonomie oui. si on ne l'a jamais fait Et Tu crois que je, je peux faire ça, moi, avec mes enfants, euh, dans Paris, euh, leur dire, euh, à, à, à 18h, tu rentres, euh, à partir de 9 ans, 8 ans euh... je, je pense que c'est plus difficile dans les grandes villes, mais il faut aussi leur donner une certaine liberté, qui est naturellement... Pour toi, euh, tu vis ici, tu, tu connais des dangers. Et puis il y a un moment que, eux, ils, ils, tu, dois, tu dois dire que, écoute, même dans une, dans une grande surface, mm. tu n'as pas besoin d'être à côté de moi. Mais dans 15 minutes, on voit là. Et là, les gamins, ils partent, ils, ils, ils découvrent, euh, ils, ils commencent de, de regarder autour mm. de lui. Et tu dois aussi éduquer tes enfants vis-à-vis la manière de observer ce qui se passe autour d'eux. de dire que aussi quand il y a quelqu'un qui arrive vers toi qui veut parler avec toi tu dis non non mon papa il est là moi j'ai pas droit dites les choses comme ça comme ça c'est que t'es pas faible déjà aussi ça te donne exactement quand quelqu'un arrive vers toi en disant mais et avec les intentions euh, qui est pas clair, est ou... pas clair ouais. un enfant qui réponde non je veux pas il va aller voir et, un autre, il, en... va, <laughs> il va il quelqu'un qui ouais. est beaucoup plus fragile ouais, ouais. parce qu'il sait que cet enfant est est, est est éduqué il sait que en fait euh, il est préparé pour ça et puis c'est n'est c'est pas des cibles faciles mm. Passionnant. Tes deux filles, euh, donc Annika, Jessica, qui est, qui, est, qui, est, qui est là dans le bureau de Cosa Vostra, euh, euh, tu les as éduquées, euh, tu en as pris tous ces grands principes quand même, parce qu'elles ont été élevées en Suisse, c'est ça Alors tu me diras, tu les as peut-être moins vues que ton père, t'a vu. Oui, c'est sûr que. Ouais, moi, j'étais un 5 ans, 32 euh... jours à la maison. Sur 5 ans, 32 ouais, jours. À sur, la maison. Mais pas 32 jours de suite, mais juste peut-être 3 jours là, 2 jours, une semaine. Ça, c'était dans les années 90 ouais, ouais, exactement. Quand je faisais mes, mes expéditions qui duraient 2 ans, une année, tout ça. Et puis, euh, on a décidé avec Katim, j'ai marié une femme mais extraordinaire. J'ai l'impression, qui était belle. Belle, je dois te dire, je l'ai vue ouais. hier encore, elle était ouais. tellement belle ta femme et elle avait vous aviez cette relation incroyable, ça, 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 ça m'émeut rien de plus. Ouais, oui, mais qui me donnait la liberté de faire ce que je voulais faire parce qu'on était clair sur l'intention de ce qu'on voulait dans la vie. Mm. Et puis dès que tu es clair, euh, c'est là où tu résoutes pas mal de problèmes. Si tu n'es pas clair, c'est là où un moment de conflit va va détruire une relation qui à travers de une simple communication qui était pas claire. Ouais, je, disant, tu, 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 tu vois j'avais cette question quel était le deal en fait dans la famille quoi et, et quel était le deal qu'est-ce que qu'est-ce que tu étais clair sur quoi toi j'étais clair sur que je voulais gagner ma vie en faisant ce que j'aime et ma femme m'a dit mais écoute je te donne la liberté de faire ce que tu aimes, mais tu dois tout faire pour rentrer vivant. Mmh. Et puis ça veut dire que c'est pas parce qu'on n'aime pas notre famille qu'on on parte. C'est parce que la famille te donne la liberté. Et puis après, la responsabilité de la liberté, c'est de rentrer vivant. Est-ce que tu lui donnais quelque chose en retour? Est-ce qu'il y avait un deal dans le deal quelque chose pour elle? Je, je pense que un papa c'est quelqu'un qui doit donner quelque chose à ses enfants qui est unique. Mm. Ça veut dire que mes enfants, Annika et Jessica, ne pouvaient pas trouver ce que je leur donnais, pas physiquement en achetant un vélo, un truc comme ça, mais émotionnellement vers, les, vers, vers un autre homme. Ça veut dire que pour eux, leur papa était cet explorateur qui leur donnait quelque chose qui était unique, qu'ils pouvaient trouver que vers moi. Putain, je suis en train de me dire être le gendre de Mike Horn, quoi. Ça, c'est le... T'es au gendre, c'est un sacré aventurier. Moi, j'aurais les boules d'être au gendre. Mais imagine, imagine en fait que... Mes filles qui vivaient à la maison, j'ai jamais rentré... On a décidé avec Cathy de ne pas rentrer à la maison et de déstabiliser ce qui est important pour mes filles. Mm. Ça veut dire que dès que mon papa arrive, et puis il n'était pas là pour, pour longtemps, euh, l'enfant, il veut pas qu'il parte. Mm. Ça veut dire que je ne dois pas rentrer parce qu'il n'y a pas de séparation si je ne rentre pas. Ça veut dire que qu'Annika et Jessica ont toujours venu me voir sur les terrains. Okay. C'était eux qui me quittaient. C'est pas... Ils sont venus pendant les vacances et quand on pensait que c'était important... Euh, on a même enlevé mes enfants, euh, Annika et Jessica, de, de l'école mmh. pour venir me voir parce que on construisait notre famille. Et la construction de notre famille, c'était pas un papa qui va aller bosser et qui rentre le soir peut-être quand l'enfant il dort déjà ou quand il est fatigué. C'était ma famille qui a venue voir leur papa au boulot. Ça veut dire qu'ils quittaient euh, la Suisse euh, et mes enfants étaient au fin fond de la jungle, au milieu de la Sibérie. À 10 et 11 ans, ils ont traversé l'île de Baylot, qui était 500 kilomètres, en faisant quelque chose qu'aucun autre enfant n'a jamais fait. Et fur et à mesure, je leur donnais cette. Cette envie d'explorer, cette envie de venir me voir, cette connaissance de comment attraper un crocodile dans l'Amazon et montrer comment ça se fait. Et c'était une famille. Et là, on a soudé ces liens qui disent, « waouh papa, on va rentrer maintenant, on va à l'école, mais dans trois semaines, on va revenir. Mm. » Et puis, c'était eux qui me quittaient. Et leur papa était juste dans son milieu avancer, et puis après, ils vont venir me voir dans un lieu qui est un peu différent, où ils apprennent des autres choses. Et ce deal qu'on a fait avec Cathy était bien réfléchi, était bien préparé. Mm. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ai toujours mes deux filles autour de moi, mm. et j'ai un peu la peine de dire, mais vas-y, parte un peu maintenant, <laughs> et, 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 et trouve, trouve ce que vous voulez faire. Mm. En même temps, il veut pas parce que il trouve ce qu'il veut faire autour de ce que nous on a on a fait toute notre vie ouais c'est difficile c'est vrai que je, je vois ces images aussi où tu euh... Les retrouve par moment, par surprise, dans l'attitude zéro. Là, quand, tu, quand tu arrives presque de, sur l'océan Pacifique, tu es donc euh, en Amérique du Sud et en fait, tu étais en vélo, je crois, ouais, quand on ouais, ouais, rejoint. Exactement. Et, euh, et, et, et c'est vrai que ces images sont très émouvantes parce que tu t'y attendais pas à ce moment-là. En tout cas, peut-être un peu plus tard, c'était en avance. Et c'est vrai que pour elle, ça, ça doit être des souvenirs assez incroyables et uniques. Quoi. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui, qui ont eu ça. Quoi. Et, ouais. puis, et puis en même temps, euh, mes enfants, parce que je l'amenais aussi une expédition, c'était là où j'installais les valeurs humaines qui est nécessaire dans la vie, de, pour tous les jours, d'être sûr de toi, d'avoir mm. confiance, de, de dire que c'est normal d'avoir peur, si c'est normal de ne pas toujours savoir ce, ce qui va se passer dans la future. Et, et de gérer des problèmes de la vie à travers de l'exploration, en faisant des expéditions comme à Léopold Nord, ouais. jusqu'à aujourd'hui. Dans... Gérer comme ils viennent, hein, ces problèmes de la Exactement. vie. Exactement. Il ne ouais. faut pas imaginer toujours des, des problèmes plus grands que ça, ça peut être. Il ne faut pas toujours voir des passés mieux que c'était et la future plus mal que ça va être. Mmh. Ça veut dire qu'il faut vivre dans le moment présent. Et ça, c'est important pour les enfants. S'ils si ne vivent pas dans le moment présent, si on est tout le temps autour de... de si on ne le laisse pas tomber, on, on, ouais, on éduque un enfant, mais on n'éduque pas un enfant qui peut vivre à 100% de ses capacités j'essaie de transposer un peu ce que tu dis sur le deal tu vois dans la famille parce que je pense c'est très important ces sortes d'incompréhension où, en fait de temps en temps dans un couple dans une famille tu vas chercher tu sais un peu peut-être à, à modeler à transformer l'autre etc et, et euh, ou même D'ailleurs, ce deal, j'imagine que toi-même, tu peux te transformer dans la vie et aller aussi vers d'autres orientations. À un moment, euh, c'est pas, pas simple quand même à tenir sur la durée, ça. Mais euh... vous, ça a été. Tu parles de ces cinq années, ça, ça, a été. Il y a eu un moment où il y a eu une, une densité d'aventures qui était plus, plus forte que par la suite dans les années justement 90 ou, ou... Ouais, il y avait un moment que moi je croyais que, que je ne dois jamais arrêter. Je, je finis euh, la descente de l'Amazon à la nage. Mmh. Après, tout de suite. Euh, Dans ton il quelques... faut regarder ouais. ce reportage il est extra et l'extra sur Titan je nage 7000 km. J'arrive au milieu de l'embouchure la, de l'Amazon qui fait 321 km. Le mec, ce, juste pour ceux qui ne l'ont pas vu, se casse la rotule quand même. Euh... Ouais, je pète oh, après, oh, oh. après un mois, je pète ouais, la ça, rotule. Sur six, ça. Ouais, un mois sur six. Et donc, puis euh... Après, je dis, ouais, ouais, ouais t'as pas le choix de toute façon tu dois repartir hein, exactement hein. dix fois on a trop d'options <laughs> dans la vie et puis si tu enlèves toutes les options c'est là où tu es un peu forcé par la situation de faire ce qu'on fait c'est toujours un peu l'humilité que t'as euh, <laughs> en face parce que j'ai pas l'habitude d'être en face d'énergumène comme toi euh. tu vois c'est que tout à l'heure j'ai remarqué que tu avais un bout de doigt coupé euh, et je savais que tu avais euh, ouais. perdu des, des doigts de pied, je crois aussi. Non, ça non, mais des doigts de pied, ça va. Mais j'ai trois, j'ai perdu trois petites euh, bouts de doigts. Et, et puis, ouais, moi, je le coupe dans l'entente. Moi, je le coupe euh, moi-même. Le doigt, ah oui Ouais, si. Ouais, on est plein. Cause <laughs> du gel, ouais. T'as pas le choix. Et puis, autrement, tu, tu vas choper des gang, gangrènes, gangrènes, ouais. une gangrène, et ouais. puis tu peux pas avancer. Ça veut <laughs> dire que il faut faire des choses que tu n'aimes pas des fois mais ce que ce que je veux dire c'est qu'avec Mike Horn quand tu vois un bout de doigt coupé tu dis tu vois si tu vois ça chez quelqu'un de normal tu tu dis euh, oh le pauvre il a un doigt coupé et chez toi tu dis bof c'est juste un petit truc pour lui c'est pas grave quoi exactement t'as coupé son autre. doigt toi-même ouais ouais c est, c est, quand j'ai vu en fait c'était une histoire mais de, mais complètement en erreur que moi j'ai fait um, normalement ouais j'attache mes lacets la même chose tous les jours. Un mm -hmm. lacet, une fois bien attaché, il ne se défait pas. Okay. Et les matins, j'étais un peu en retard, pas en retard. retard j'étais quatre minutes, <laughs> minutes en avance et pas six minutes en avance. <laughs> et je dis, mais il faut que je sors la tente euh, vite et puis je suis un peu pressé. J'attache mes chaussures euh, un peu mal. Et puis, je sors la tente, je plie la tente, je mets tout mes matériels dans la luge, j accroche la luge et je commence de skier. Il fait moins 40, là. Ouais, ouais, il fait moins 50, ouais. il y a du vent et tout ça. Et moi, je suis content parce que j'avance bien. Et tout d'un coup, je, je, je regarde en moi, je vois un de mes lacets qui, qui est défait et mon pied qui commence de sortir des chaussures quand je pousse le ski en avant. Et puis là, je dis, mais ça ne peut pas continuer comme ça parce que je ne suis pas efficace. Je brûle des calories pour rien. Mmh. Je n'avance pas à la vitesse que je dois avancer. Et, et je dis, mais écoute, je marche, je réchauffe un peu plus vite pour réchauffer mon corps. J'enlève mes moufles, j'attache mes lacets et je continue. J'accélère, je réchauffe euh, un tout petit peu. Quand j'ai eu bien mes mains bien chaudes, c'est là où j'arrête. Je mets mes, mes moufles sous mes bras parce que ça, ça, oui. ça reste chaud. Je suis à, 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 à genoux, j'attache mes chaussures. Et puis pendant que attaché ma, ma chaussure, en fait, la, mon gant a tombé sur la, la glace et des vents ont amené mon gant. Et je ne le voyais pas. La chaussure attachée. Plus de gants. Il y a pas de gants. Et l'autre, j'ai mis mon main et j'ai une main droite qui a froid. J'enlève la luge, je regarde et je vois ma, mon, mon gant qui est, qui est amené par des par vents et il roule comme ça sur la glace. Vite, je cours derrière, j'attrape mon gant, mais là maintenant je sens plus mes doigts. Mmh. Et je dis... Ouais, je vais mettre vite mon, mon main dans les gants et puis ça va réchauffer. Je prends mon gant, j'enlève la neige qui est à l'intérieur parce que de la neige souffle et puis ça rentre dans les gants. Et je mets mon main, je commence à marcher. Mais je sens plus mes doigts. Avec une heure plus tard, toujours pas de sentiment, de sensation. Oui. Et puis je dis, mais à quoi ça va pas Il faut que maintenant ça réchauffe. Et je marche encore une heure. Et là... Je dis « Mais c'est bizarre, maintenant ça passe déjà deux heures et puis euh, j'ai toujours pas la sensibilité. » Et euh, c'est là où j'ai décidé de mettre la tente et de, de rentrer dans la tente pour voir euh, si je peux réchauffer mes mains. Et puis euh, en levant la gant, je voyais que c'était complètement, mes doigts étaient blancs. Et là je dis « Oh mince, c'est la plus grande erreur que j'ai faite, pourquoi j'ai pas arrêté tout de suite ?» Euh, mais j'ai tout ouais. de suite mis tente et mais quoi, des fois on essaye de récupérer des, des situations mm. qui est pas récupérable en fait. Et je fonde la glace, je le chauffe à 36 degrés la température de notre corps. Je ne peux pas mettre mes doigts, en fait, mes mains sur du feu parce que là, tu, tu, ouais, tu grilles des saucisses, en fait, mmh. presque. Je le mets dans la neige fondue à 36 degrés et gentiment, il a la, la sensation qui, qui arrive au bout de mes doigts. Je dis, waouh, wow, je l'ai récupéré. Et je suis tellement fatigué, fait, il y a tellement de douleurs que je prends une petite euh, la morphine, mmh. un MST, un MST c'est une petite pellule, juste pour couper ce, euh, ce qui est douloureux. Et puis, okay. euh, je me dors, et puis on dort jamais plus que deux heures, parce qu'on peut aussi geler à l'intérieur la tente. Okay, okay. Et là, je me et je me réveille, et mes doigts sont de nouveau gelés. Il n'y a plus de sensation. Et là, je la remets dans l'eau, et puis euh, on sait bien, euh, si on, on enlève la viande d'un congélateur mmh. et puis il est dégelé, on ne peut pas non, la aussi. remettre dedans, il pourrit. Et c'est ça, les erreurs que j'ai fait moi-même, les erreurs de débutants, euh, même avec pas mal d'expérience, et je disais rien à Cathy. Je disais, mais tout va bien, nickel et tout ça. Mais ma vie a commencé de changer. Parce que maintenant, je ne peux plus travailler avec ces mains. Je ne peux plus mettre la tente comme il faut. Ça me prend beaucoup plus de temps de, 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 de pacter euh, la, la luge, les tentes et tout ça. Ça fait et mal. Ça fait mal. Mais c'est comme quelqu'un qui en fait, tape avec un marteau sur tes doigts 24 heures sur 24. Et là, je dis, mais... Il faut amputer. Il faut amputer. Et puis, euh, j'attends que c'est gelé, que je ne sonne pas. Et je prends euh, encore un peu de morphine. Et je dois couper dans la vive, mais pas vraiment dans, dans la partie morte. Parce qu'autrement, tu n'enlèves oui, rien. Oui. Et j'ai de couper. Et puis, après, avec un petit nail couper l'os. puis, on arrive de faire des choses, mais. Dans cette situation, mais incroyable. Et ce n'est pas parce que je suis fort, c'est juste que je n'ai pas de choix. Mm. Et c'est comme ça qu'en fait, euh, euh, je voyais les autres, euh, autres doigts, les os qui étaient gelés, et puis je dis mais pff, là, il faut, il faut y aller vite au pôle. Et puis après six jours, ça a commencé d'aggraver. Euh, j'ai commencé d'avoir des infections. Et puis là, je disais juste euh, à Cathy euh, par téléphone un jour que euh, j'ai gelé les doigts. Et puis elle a dit Mais Mike, il faut rentrer tout de suite. Mmh. Et, et c'est ça qui est important. Des fois, il faut. On est tellement motivé. On, est... On croit tellement qu'on peut arriver qu'on perd la logique. Mmh. Et Cathy a mené cette logique et cette cette vision claire dans ce que je faisais. Et elle a dit, mais Mike, maintenant, tu arrêtes, j'appelle les sponsors et tu abandonnes. Mais tu peux pas vivre sans main mm. et, et moi, je ne voulais pas accepter que j'arrête et il y a un échec de ma vie. Parce que l'échec, pour un explorateur, il est, il est lourd à porter. Hein. Mm. Et puis, si tu as eu pas mal de succès et puis, et puis un seul échec, tu es déterminé par la dernière exploit. Et puis tu as eu pas mal de succès, mais aussi euh, qui ont été euh, parsemés de douleurs. Je veux dire, tu avais déjà vécu des douleurs extrêmes, des, des morsures de, de des serpents, de serpents ouais. des trucs où tu as cru que tu allais mourir plusieurs fois. Euh, je veux dire, il y a un moment où, en fait, quand c'est extrême, tu dis, bon, ça bah, en est juste une de plus, ça va ça va aller. On, fait. On, ça fait on, mal, mais ça va aller. Exactement. On, on prend l'habitude d'avoir mal. On prend l'habitude de dire que ça va aller. On... Quand j'ai pété mon genou euh, en descendant l'Amazon, euh, je disais, mais euh, quand j'ai descendu de 7000 km un peu en hydrospeed à la nage, je disais, mais j'ai pété mon genou, mais je ne peux pas rester là parce que je veux mourir. Il faut que je sors au prochain village qui était à, à une semaine de nage. Mm. Et puis là, une semaine plus tard, tu arrives à Atalaya, tu dis « Ah, oh, mais j'ai nagé une semaine, ça va pourquoi aller. pas continuer <laughs> ?» Et, et c'est comme ça qu'on prend l'habitude des choses, parce qu'on ne veut pas abandonner, mais parce qu'on est fier. Mm. Et, et ça, c'est un peu difficile pour les explorateurs, oui. J'ai eu euh, alors j'ai enregistré cette semaine avec quelqu'un qui est, qui est pas explorateur mais qui a, qui, a, qui a fait quelques petites aventures et notamment qui s'appelle Jean David Blanc le, le créateur d'allociné et de Molotov hein, des, des grosses entreprises très belles entreprises dans la tech française et il me racontait que en fait euh, dans une période de sa vie où il était entre plusieurs entreprises il faisait beaucoup de tu sais de, de parapente euh, ouais, il... motorisé ouais, 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 ouais. et il est allé dans, dans l'Himalaya euh, et euh, je dirais que c'est Annapurna ou enfin des grands euh, sommets là-bas et en fait il a eu un accident il, il, dans le brouillard il s'est pris une paroi euh, et il a eu de la chance parce qu'il est tombé sur un buisson au milieu de la paroi. Mais, mais voilà. Et il a eu derrière. Il euh, faut aller jusqu'au bout de l'épisode pour ceux qui n'ont pas écouté, mais euh, vraiment très sympa. Il raconte qu'il a eu trois jours de marche, euh, quasiment sans rien à manger, juste à pouvoir boire ce qu'il pouvait trouver, etc., etc. Ce qui pour toi est une petite aventure. Lui était l'aventure de sa vie, j'exagère un peu. Mais il me dit. Euh, quand il est arrivé qu'il a vu à un endroit une forme d'un truc qui était un peu carré qui avait pas l'air naturel il s'est dit ça doit être un, de, un truc humain il est allé vers là-bas et il me dit au moment où j'ai trouvé des villageois des personnes qui allaient prendre soin de moi je me suis effondré en fait euh, il me dit j'étais encore complètement alerte fatigué etc ouais. j'avais faim j'avais tout ça mais en fait dès que j'ai compris que quelqu'un allait prendre soin de moi il y avait plus de son plus d'image plus rien en fait voilà T'as déjà ressenti ce genre de choses, toi, ou tu vois ce que je veux dire, un, un peu ce moment où euh, ouais. tu vas puiser dans tes ressources très très fort, mais parce que t'as pas le choix, mais à partir du moment où tu as le choix, où il y a quelqu'un d'autre qui va qui, qui va potentiellement te récupérer. C'est sûr que la dernière expédition que j'ai fait, euh, euh, la traversée du pôle nord, euh, puis euh, avec les changements de notre climat, la glace était pas aussi épaisse, euh, j'ai tombé dans l'eau à moins 50 euh, et tout ça. On a, on a vraiment cette envie très forte de rester vivant. Mm. Et puis, euh, l'expédition durait 138 jours. Et à la fin, quand on n'a eu plus de nourriture, euh, c'est là où tu cours pour ta vie. Et puis, euh, quand tu cours pour ta vie, tu sais que tu as des ressources qui sont limitées. Mm. T as, t as, tu peux être mentalement fort, mais physiquement tu vas affaiblir. Et puis on est arrivé au bateau qui était prise dans la glace euh, euh, au bout de nous-mêmes. Mais parce que je rentre, je suis toujours dans la nature, je suis toujours dans l'extrême. Je, je prends soin de moi. Je ne laisse pas tomber mes, mes gardes, même fatigués, jusqu'au moment que je arrive quelque part où je peux fermer une porte derrière moi. Ou euh, c'est pas toujours moi qui dois regarder autour de, de nous. Même, même dans l'avion, euh, je, je reste alerte. Et <laughs> puis je pense que c'est ça qui, qui est important pour nous. C'est que des fois, on n'est on pas conscient de ce, ce que se, se passe autour de nous. Mm. Parce que. Euh, on, on, on lâche. Mais c'est mon métier. Et puis, à, à, à 18 ans, quand j'étais dans la force spéciale de l'Afrique du Sud, et, et j'étais sélectionné de 4000 à 4, on dit 4 qui a fini la sélection, hum, tu, tu es sélectionné pour ton aspect mental, physique, euh, la manière que tu prends des décisions. Euh, un peu la rapidité de, de prendre des décisions vitales. Et puis, c'est une année de cours. Et puis, moi, je me voyais pas beaucoup plus fort que les autres ou différent mmh. que les autres. La seule différence que je voyais, c'était dans la manière que je pensais. Ça veut dire que les trois autres copains qui étaient sélectionnés avec moi voulaient partir pour faire la guerre. Mm. En Afrique. Ça, c'était pourquoi ils voulaient aller. Et moi, je voulais survivre la guerre. Ça, c'est notre objectif. Mm. Je pars pour survivre. Je ne pars pas pour faire la guerre. Mm. Et les résultats des trois autres, malheureusement, ils sont plus là. Et parce que j'ai une approche qui est un peu différente, je suis convaincu dans, dans la manière qu'on pense on détermine un peu nos destinations. Et puis, la destination dans la vie, ce n'est pas parce que j'ai peur de faire la guerre, c'est que je dois prendre les bonnes décisions pour survivre, pour faire bien la guerre. On dit souvent, en effet, qu'un bon soldat est un soldat vivant. Euh, et à la fois, ce qui est difficile dans une stratégie comme ça, c'est de se dire euh, euh, comment tu places le curseur entre... Euh tu vois, un moment où tu dois aller plus loin ou pas y aller, euh, et où on pourrait te, potentiellement te qualifier de lâche, parce que d'autres, bon, ils vont, mais ils sont morts. Alors, peut-être héroïque ou pas toujours, potentiellement euh, idiot, je ne sais pas. Où ce n'est que, que pas facile à mettre cette, euh, ce curseur-là quand même. C'est extrêmement difficile quand on est en montagne. J'étais trois fois au Caddo, je n'ai jamais arrivé au sommet. Et puis, <laughs> c'est sûr que... Chaque... Es nul, ouais, ah. mais je suis nul, Ouh. bébé. Ouh. <laughs> et puis c'est un échec. Chaque fois, quand j'arrive en bas, euh, ouais, tu as toujours du, du <laughs> message euh, pas mal méchant. On, on, ah oui. ouais. Et puis, ouais, tu es nul, comme tu dis. Et puis, euh, <laughs> ouais, tu es trop vieux et tout ça. Um, mais les décisions qu'on prend, c'est vis-à-vis de, de notre situation à 8000 mètres. Des conditions de neige et, et, et la manière qu'on grimpe. Ça veut dire que je décide de partir sans porteur, sans oxygène, et je grimpe avec une pote de moi. Okay. Ça veut deux. dire qu'à deux, on n'est pas attaché, on grimpe en style alpin, et dès qu'on arrive à 8000 mètres, 8200, 8400 mètres, on doit prendre des décisions vitales. Sachant que ce que m'expliquait Kylian, Jeanette et différentes personnes ici, que j'ai reçu aussi d'ailleurs, euh, euh, Sébastien Delafon, euh, 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 pardon, je me trompe peut-être, euh, euh, ça va me revenir, mais... Euh, ton cerveau fonctionne au ralenti, hein, à 8000 mètres, euh, tes décisions ouais, ouais, as, et un as, as -que 7%, que tu prends... as 7 d'oxygène, ça veut dire que tu, euh, ton euh, cerveau il fonctionne pas. Et... Il fonctionne à 7 quoi. Et, hein, ouais, enfin, et puis, euh, en fait, tu sors, tu sors de ton corps hmm. et tu, tu, tu es là, tu voles, tu vas bien, hein, tout est nickel, mais en fait, euh, gentiment, tu es en train de mourir. Et ça c'est, ça c'est un peu. Frédéric Jousset, pardon. Ouais. Je, ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est dangereux parce que c'est là où tu as envie d'y aller au sommet, mais peut-être tu n'as pas assez de force pour rentrer. Et on voit que du sommet comme notre destination finale. Mmh. Mais en fait, c'est mi-parcours du sommet. Dès que tu arrives au sommet, il faut avoir la force pour rentrer. Et moi, je regarde toujours pas du sommet comme destination finale, mais. De nouveau, euh, les campas ouais. en bas. C'est que la plupart des morts se font sur le retour, je crois, hein, souvent. Hein. À 100%. 100%. Ouais. C'est ce qu'on te dit, hein, des délires, des choses, justement. Uh, Kylian Jornet qui me dit euh, J'ai eu un moment, un blackout pendant 3-4 heures, je ne sais pas ce que j'ai fait, en fait. Il ne se souvient pas. Ouais, c est, c est, c est... et puis Kylian, qui est, qui est quand même un athlète extraordinaire, mmh. qui. Euh, qui peut faire des trucs, euh, mais une course à pied, un trail et à 8000 mètres que très peu de monde peut faire. Mais on passe tout le monde par ces moments où on ne sait plus où on est. Et si on n'est pas bien préparé, si on n'a pas mémorisé la route, si on ne regarde pas des fois en arrière pour avoir des repères quand on rentre, on, on, on peut être perdu. Et ça, c'est assez fou parce que dans ton parcours, euh, j'aimerais que tu m'expliques un peu où est-ce que tu places aussi cet autre curseur. Là, tu me parles de la survie, mais de la préparation. Euh, parce qu'en effet, à la fois, t'es ultra préparé, à la fois, tu as plein de trucs, à la fois, euh, tu vois, je te vois partir sur ton bateau. Euh, L'ancien, pas Pangea, ouais. mais euh, je ne sais plus comment il s'appelait. Ouais, bah, latitude 0, le la top. Le petite le, bateau. Le, ouais, <laughs> mais c'est un optimiste, ton truc. Ouais, le truc ouais. Un optimiste à 3, à 3, c'est n'importe quoi. Euh, traverser l'Atlantique, le, le Pacifique, enfin voilà, tous les océans d'ailleurs. Ouais. Euh, alors que tu n'avais jamais fait ça, en fait, euh, réellement, j'ai l'impression. Et, et, et donc être capable à la fois. Quand tu fais notamment donc latitude 0, tu étais euh, sur l'équateur, sur donc le tour ouais. du monde sur l'équateur, avec une, une, une permission, tu t'étais donné combien de 30 000 au nord et 30 000 au sud. Ouais. Ça fait quoi en kilomètres 30 000 Oui, ça fait fois 1,6 kilomètres. C'est 45. Euh, 45 kilomètres, la vache. Euh, donc, pas beaucoup, tu avais dix ouais, 100, 100 km, 90 km de, de delta. Donc, du coup, tu dois passer par certaines montagnes de ouf, etc. etc. Et quand je te vois partir là-dessus, je vois le bateau. Moi, j'ai grandi près de la mer, je vois la gueule du truc. Je me dis, mais tu traverseras jamais ce truc-là. Et en fait, il y a quelques trucs que je vois. dans. Alors, c'était un autre temps. Tu le disais dans le reportage, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas Google Earth, il n'y avait ouais. pas tout ça. Donc. Mais justement, il y avait quand même énormément de random en termes de préparation. Tu te dis, mais c'est inconscient. Est-ce que tu es inconscient Moi, je pense qu'il faut, euh, euh, par... faut être naïf un peu. Euh, mais tu dois être conscient des risques que tu prends. Parce que dans, les, dans le point de Nevis mais dans les forces spéciales, on t'apprend à être préparé et très conscient aussi. C'est vrai que pour nous, la préparation, c'est clé. Mais aussi. Il y a des choses où la marge d'erreur il est beaucoup plus large. Euh, sur un bateau au milieu de la mer, j'ai choisi un bateau qui parlait vite. J'ai demandé à, dit à Laurent Bourgnon qui est à l'époque un très grand oui, marin oui. et tout ça, que malheureusement est plus là aujourd'hui, mais c'est avec ses conseils qu'on a choisi ce bateau. C'était un petit trimaran de 7 mètres pliable <laughs> qui était fait pour la navigation côtière <laughs> et ouais. pas pour traverser l'Atlantique. Et lui, il me disait, mais Mike, avec ces bateaux, tu vas vite. Et quand tu vas vite, tu diminues des risques. Tu passes pas long... tu passes pas beaucoup de temps sur la mer. Tu as moins de tempêtes. Tu n'as pas beaucoup d'expérience. Il faut aller au... à... à la, la maxi-vitesse. Et c'est là où je dis, d'accord, c'est beau. Et puis il a dit, mais tu réduis la surface des voiles un peu. Tu ne tu mets pas toutes tes voiles en haut. Comme ça, tu diminues les risques. Et quand il y a les grandes tempêtes, quand tu vois que c'est noir autour de toi, tu baisses tes voiles, tu mets la petite voile de tempête et tu vas arriver vivant l'autre côté. Ça veut dire que je cherché pas d'optimiser la vitesse tout le temps comme quelqu'un qui court pour mmh. qui fait comme qui qu j'exagère un peu ouais, mais ouais, c'est quand mais, même son objectif Oui, ouais, ouais, exactement c'est de dire que là maintenant je suis en mode de survie parce que je connais pas et c'est justement là où les gens peuvent interpréter ça comme pas être conscient je suis à 100% conscient des dangers et la manière même sans la connaissance et sans l'expérience il est fait en sorte que je peux faire quelques erreurs. Mais c'est justement là où tu dois apprendre à travers de tes erreurs. Parce qu'il y a beaucoup et, et, et beaucoup d'amis de moi qui est plus là aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas eu autant de chance mmh. que moi. Il y a, y a un... ce que j'imagine que vous apprenez énormément. Je voyais ce que tu racontais sur, par exemple, ton, tes sacs. Pour faire cette descente de l'Amazonie, de l'Amazone, pardon, euh, du fleuve, tu as euh, ces sacs, euh, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui ne sont pas des sacs étanches. Ce sont, sont des sacs pas étanches dans, le, dans lesquels tu mets des, euh, des, 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 des bidons, des oui, bidons des étanches bidons cette étanche, fois-ci, ouais. trois bidons. Euh, et euh, donc il y en a un sur lequel tu vas mettre plutôt ton matériel, euh, tes médicaments d'autres, euh, on reviendra sur la nourriture. Bon, ce genre de choses, tu les as à force de pratique. Euh, dans les explorateurs, les, euh, les marins, les... il y a une grande euh, connexion, un grand partage. Il y a des endroits des... où on peut trouver ces ressources. Euh, il y a une sorte de je sais pas, du Wikipédia des explorateurs où ça se fait juste euh, qu'en rencontrant les gens un par un. Euh... C est, c est, à l'époque, c'était très difficile de trouver euh, vraiment des informations. Ça veut dire que... Euh, quand je voulais descendre de l'Amazon à la nage, par exemple, ou de l'attitude zéro, euh, j'étais dans la force spéciale de Brésil. C'est eux qui ont formé les Américains pour les guerres en Vietnam. Okay. C'est-à-dire que j'étais vers les meilleurs. Je disais, moi, je, on fait un programme d'échange militaire. Le Sud-Africain m'a euh, envoyé, euh, envoyé là-bas. Et puis, le Sud-Africain a pris un Brésilien pour le former dans la, la guerre du gorille dans la brousse. Okay. Et moi, j'ai appris à travers la guerre dans la jungle. Et c'est ces programmes d'échange. Um, on, on va où, en fait, les informations sont les plus fraîches. Et c'était comme ça que j'ai appris. Quand j'ai commencé de naviguer, J'étais vers les navigateurs qui qui a battu des records du monde. Après, j'étais sur un bateau qui a traversé l'Atlantique en moins que sept jours, qui a battu le premier bateau à voile qui a traversé l'Atlantique en moins que sept jours. Après, dans la montagne, j'étais avec avec les meilleurs grimpeurs. Et c'est très rare d'avoir autant de, de de connaissances parce que Normalement, on spécialise, on mmh. fait que la montagne ou on ne fait que l'exploration polaire ou on fait que la jungle. Mais moi, chaque fois, j'ai eu une opportunité. Tu es un généraliste, toi. Tu n'es pas un spécialiste. Oui, exactement. <laughs> et, et pour moi, ça me va très bien parce que c'est comme ça que ma vie, il, est, il a beaucoup de couleurs. Alors, du coup, peut-être qu'il y a moins d'explorateurs qui viennent te voir, toi, puisque tu es généraliste, ou quand même, il y en a beaucoup qui viennent sur lesquels tu vas leur expliquer ou tu partages aussi à ton tour C'est sûr que, parce que je ne suis pas un spécialiste, que il, il, doit, il doit trouver leurs informations plus vers les spécialistes. Mais c'est sûr que dans, si c'est dans la jungle, au pôle nord, à 8000 mètres, ou dans la jungle, ou sur un bateau en mer, il y a un sol constant. C'est l'homme, c'est toi. Mmh. L'environnement peut changer. L'aliment peut changer. Mais l'homme, il ne change pas. Et c'est justement là où toi, tu dois travailler dans la manière que tu prends des décisions, la manière que tu gères la peur, la manière que tu gères l'effort. Parce que ça, ça détermine, en fait, si tu vas rentrer vivant ou pas. Et tout ça chez toi, c'est venu au fur et à mesure. Je veux dire, il y a eu des, des, des formations de forces spéciales, il y a eu un certain nombre de choses. Si moi, demain, tu me mets comme ça, la boum, dans pas mal de tes situations, en fait, juste je meurs. Je, je, je pense que tu as une bonne chance de mourir, ouais. mais tu as aussi une bonne chance de survivre. Parce que, par nature, tu es quand même un survivant. Hmm. Tu, 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 tu es en forme. Tu, tu, tu as, as peut-être une meilleure chance de, de survivre parce que tu as une logique qui te permet de déjà pas mettre ta vie en, en danger, mais de le mettre plus en sécurité. Et ça, c'est important de savoir. C'est que on n'a pas besoin d'être un, un spécialiste de survivre, mais on a besoin d'avoir une bonne logique. Et dès qu'on applique cette logique dans ce qu'on fait dans les moments difficiles et dangereux, c'est là où on a beaucoup plus de chances de survie que quelqu'un qui reste devant la télé, mm. quelqu'un qui ne veut pas bouger, parce que sa zone de confort est, est moins large que la tienne. Mm. Ça veut dire que pendant l'hiver, je... Du matin, avec mes filles, on, on se réveille, et puis après, on se met dans l'eau à, à 3 degrés, et puis on essaye de se battre l'un de l'autre pour rester le plus longtemps possible. Mais ce n'est pas pour juste dire que je vais dans l'eau froide, c'est d'habituer mon, mon corps, de faire quelque chose qui n'est pas agréable, mmh. de faire quelque chose qui, qui, qui a besoin d'une discipline, de rester. Dedans, parce que c'est un choix que tu as fait. Et dès que tu fais des choses comme ça, c'est là où ta vie devient beaucoup plus large. Et quand tu fais ta vie un tout petit peu plus large, tu es plus à l'aise dans les conditions différentes qui, des fois, et des conditions d'extrême pour quelqu'un qui n'a pas fait la même chose, mais qui est des conditions normales pour quelqu'un qui a fait. Est-ce que tu crois que ça? pas que pour toi, mais en règle générale, euh, mettre ces conditions pour avoir un, un, un scope un peu plus large, ça augmente tes chances de bonheur. Ah ouais, mais c'est à 100%. Si 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 on élargit pas notre vie, on, on tourne, on tourne vraiment autour du même trou. Mmh. Et puis, il y a un bout d'un moment qu'on dise que, écoute, tu as deux choix dans la vie. T'as le choix de dire que je vis sur la falaise. Je marche là où si je fais une erreur, je risque de mourir. Et cette vie qu'on vit près de la falaise ou la précipice là, dès que tu fais une erreur, tu tombes et tu es mort. C'est une vie large et intense. Ou tu peux choisir une autre vie qui est loin de la falaise, où la vie est plutôt longue et étroite. Mm. Elle n'est pas aussi, si tu fais une erreur, tu tombes, mais tu vas pas tomber des falaises. La... Les deux vies est bien. Mais la différence entre les deux vies, c'est la vue. Mmh. Sur la falaise, tu vois mieux. <laughs> tu vois beaucoup plus de choses. La vie est beaucoup plus intéressante. Tu as envie d'avancer. Parce que cette vie qui est large et peut-être courte est beaucoup plus intéressante qu'une vie longue et étroite. Pour moi, mais pour les autres, peut-être leur vie longue et étroite est, est mieux adaptée à leur vie. Mais essaye vraiment de changer la direction un petit peu, petit peu. si tu choisis de vivre loin de la falaise. Tu, on a parlé de la préparation. Mmh. Si tu veux vivre sur la falaise, prépare-toi bien pour faire cette vie large et courte large et long. Mm. Parce qu'on peut jouer un rôle là-dedans. Et quand on marche loin de la falaise, essaye d'approcher un peu des falaises que tous les jours tu vois un tout petit peu plus. Et là, la vie va devenir euh, un tout petit peu plus intéressant avec des autres valeurs. On sent que tu prends pas mal de recul là-dessus et de, de réflexion. Euh, je me pose la question, tu sais, dans, dans pas mal de, de milieux intellectuels, il y a une sorte de... Euh, je ne sais pas si on doit, mais c'est ok, voire c'est bien d'être malheureux. Tu vois ce que je veux dire Il y a un côté un peu euh, euh, prise de tête, euh, euh, je réfléchis beaucoup, euh, que ce soit littéraire, philosophique, culturel, différent, artistique, etc. Euh, mais être malheureux, ça fait partie du game, tu vois. Euh, parce que ça donne une valeur. Si on dit qu'on est malheureux, c'est parce qu'on travaille trop. Et puis là, c'est la sympathie qu'on recherche. Mmh. On veut dire donc, ouais, mais tu prends pause parce que tu travailles trop, mmh. la vie est difficile et tout ça. Mais mais cette sympathie, c'est pas quelque chose que moi je recherche dans ma vie. Je veux plutôt avoir une vie um, difficile qu'une vie rugueuse. Ouais ouais. <laughs> qui 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 ou oh, une vie qui est trop facile. Mm, oui. Et comme j'essaye toujours de motiver les jeunes et il y a pas mal de, de, de jeunes qui suivent ce que je fais parce qu'aujourd'hui on peut communiquer à travers de YouTube, on peut communiquer mm. à travers des réseaux. Et puis les jeunes aujourd'hui, quand je le dis, mais écoute les gars, mais tout est possible, ils disent mais non, mais c'est pas possible mm. parce que dans la tête ils pensent déjà que Impossible et pas possible. Mmh. Et quand on change la manière qu'on pense, et puis c'est normalement en bouton, et ce bouton fait la différence entre l'envie de gagner et la peur de perdre. Dans la tête, si tu as peur de perdre, dans le business, dans, dans la lecture, dans, dans, dans ce qu'on fait comme métier, si tu as peur de perdre, tu peux jamais vraiment gagner. Mmh. Parce qu'on protège tellement ce qu'on a qu'on que n'ose pas prendre des risques. Il y a un moment dans la vie qu'on doit prendre des risques, pas inutiles, des risques va, qui vont va rendre notre vie beaucoup plus intéressante. Permettre d'atteindre tes objectifs. Quoi. Et c'est vrai qu'il ne hmm, faut pas confondre... Euh ne pas avoir peur de perdre et aimer perdre. On peut détester perdre. Moi, je déteste perdre, mais j'ai pas peur de perdre. Mais euh, exactement. Voilà. Et, et, et c'est très inspirant, euh, euh, tu vois, pour euh, beaucoup de gens. C'est vraiment les thématiques que je cherche à aborder sur génération do it yourself. C'est vraiment, je ouais. pense, que tu es vraiment do it yourself. Tu vois, dans l'approche, <laughs> c'est vraiment de se dire, ok, ces ressources, les choses que tu vas chercher à, à l'intérieur. Euh, et ça, je pense, c'est inspirant pour tout le monde. Euh, des questions que je me posais quand j'ai vu sur une, une de tes confs. Je crois que c'était à euh, au grand Rex, il y a deux ouais, trois ans, ouais. avant les confinements et tout, je dirais 2019, quelque chose comme ça, euh, dans laquelle tu parles d'un. Alors tu fais beaucoup de conférences, toi, quand même, pour des entreprises, euh, beaucoup de monde, des de, de petits comités, des grands comités, etc. Et tu parles d'un banquier à qui tu parlais des risques et lui te disait je prends beaucoup de risques. Et alors c'est c'est vrai que c'est en mis en perspective, tu te dis, même si tu prends des risques sur 2 millions, 10 millions ou 50 millions d'euros, euh, tu ne te coupes pas un doigt, quoi, tu vois. Et, et, et comment, comment tu peux, à la fois, tu vois, ça doit être difficile pour toi aussi d'écouter des gens comme ça qui sont très importants, qui prennent vraiment des risques, qui sont très stressants pour eux intérieurement, parce que c'est toute leur vie, ils risquent de se faire virer, d'avoir des clients mécontents, etc. etc. Euh, et toi, d'avoir aussi cette distance, de dire, mais pas, tu ne vas pas te battre avec un ours, mon chéri, tu vois. Oui, mais il faut relativiser. <laughs> C'est sûr que dans la vie, euh, chacun, chacun vit sa vie et, et a une perception de ce qu'il fait euh, à travers de ses pensées. Mmh. Et souvent, souvent quand je fais des conférences, et puis on essaie on essaye de motiver... Des, euh, des gens pour avoir des meilleurs résultats, euh, je commence par vraiment déstabiliser euh, leur milieu un tout petit peu, pour ouvrir leur esprit de pensée. Parce qu'un risque de perdre l'argent. Parce que ce n'est pas ton argent mmh, que tu perds. Et un grand risque. Ça veut dire que si tu vois ça comme. La plus grande risque, tu n'es pas bien pour ce boulot. Mm. Parce que c'est pas la plus grande risque dans la vie. Parce que tu perds pas ta vie. Ça veut dire que quelqu'un qui le voit comme un risque, qui peut gérer, qu'on on va prendre les bonnes décisions, on va se préparer, on va euh, trouver des informations pour que je suis capable de prendre ces risques, il ne le voit pas comme la plus grande risque de sa vie. Mm. Il le voit relativement, relative à ce qu'il fait et ses connaissances qui la permettent d'avoir cette position. Et puis, souvent, pour moi, je ne vois pas ce que je fais comme un risque. Pas du tout. Et c'est justement là où quelqu'un qui a pas de l'expérience me regarde en disant Mais Mike, tu as une tête brûlée, tu, mmh. tu prends trop de risques. Et moi, je dis Mais tu parles de quoi pour moi, je prends pas de risque. Je fais ce que je peux faire avec la connaissance que j'ai accumulée, qui me permettent en fait aujourd'hui de faire la traversée du pôle nord, la traversée mmh. du pôle sud, euh, de sauter sur un bateau et traverser l'Atlantique, l'océan Indien, l'océan euh, Pacifique, euh, d'y aller partout où je veux aller, tout simplement parce que j'ai l'expérience. c'est pas un risque. c'est plus un risque. Mais il y a un moment qu on rentre dans cette zone de risque. Mmh. Dans l'expérience, petit à petit, tu vas toujours quand même la repousser un peu. Tu vois, je, je, je te voyais dire quand tu sautes de 22 mètres en hydrospeed dans un endroit où tu sais qu'il y a 1,50 mètre d'eau au fond. Est-ce que tu le sais avant ça, qu'il y a 1,50 mètre en bas Tu as sondé Exactement. Tu fais... Oui, ouais, tu bah, ça va dire que... Moi, moi j'ai une philosophie qui dit « Mais écoute, Souvent, on réfléchit trop. Et puis en anglais, on dit overthinking, overthinking oui. leads to unhappiness. Si tu penses trop, tu, tu vas être malheureux. C'est peut-être le lien des intellectuels tout à l'heure. <laughs> <laughs> Exactement. Bon. Mais, mais des fois, je saute sans vraiment penser à comment je vais atterrir. Mm. Ça, c'est un problème pour plus tard. Et dans la vie si tu veux tout savoir avant de sauter tu vas jamais sauter moi j'ai vraiment je crois dans dans cette inconnue qui nous, qui nous nourrit qui nous donne des opportunités de prendre la bonne décision quand on a l'intention, l'intérieur de, euh, de nous qui est bien, si tu as une intention qui est mauvaise, il faut, il faut vraiment il faut avoir du souci comment tu vas atterrir. Hein? Il faut plutôt pas sauter. Mmh, mmh. Et, et c'est justement, si j'ai 5 à 10 de mes réponses avant de partir en expédition, je parte. Et je sais que... Les autres, 90% des réponses, je veux trouver le long de la route. Je, je veux pas, je veux pas tout savoir avant de partir. Autrement, si tu veux tout savoir, tu vas rester sur place, tu vas jamais partir. Trouve 5%, 10% de tes réponses qui est important. Améliore toi-même et ose de sauter et tu verras, tu vas bien atterrir. Mais il faut pas penser à l'atterrissage avant de sauter. Quel est le plus dur dans tout ça Je veux dire, euh, tu vois, tu. tu, 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 tu alors, tu as vu des ours, tu t'es pas battu avec des ours quand même, si Enfin, ou, 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 oh, a... de temps en temps, des ours <laughs> qui rentrent dans la tente, mais c'est sûr qu'ils sont plus grands que moi, c'est plutôt <laughs> moi qui <laughs> chie au froid que l'ours. <laughs> <laughs> mais euh, tu vois, entre justement des problèmes. Euh, euh, physique, toi-même, euh, de tu vois, euh, j'ai lu d'autres trucs dégueulasses, j'y pense, avec ouais. euh, mais je vais pas venir là-dedans. Euh, des problèmes avec des ours, des animaux, des anacondas, des trucs qui te sous la peau, des problèmes avec des éléments naturels, euh, que ce soit, euh, tu vois, euh, la montagne, euh, la mer, euh, le désert. Euh, des problèmes avec des humains parce que tu as aussi ouais. failli être euh, exécuté euh, etc est-ce qu'il y en a un qui dans l'absolu ou au moins par rapport à toi te paraît plus compliqué à gérer que les autres l'homme l'homme est le plus compliqué à gérer euh, les animaux ont leurs habitudes euh, on sait ce qu'ils mangent on sait ce qu'ils font quand ils sont malades et tout ça, la rage, il faut faire attention. Et puis ça, c'est dans la jungle avec les singes. Hein. Ils peuvent venir vers toi sans voir peur, arracher tes yeux et tout ça. Et ça, c'est sûr que là, tu tu, c'est une situation qui est pas très bien. Tu dois savoir te défendre. Quand tu te fais piquer par un serpent, c'est parce que du serpent, il a pas eu du temps de partir. Mm. Il veut pas t'attaquer. Il n'est pas là pour tuer l'homme. Il n'est pas là pour utiliser ses, ses venins pour tuer quelque chose qui peut pas manger. Mm. Ça veut dire que quand tu marches sur un serpent, normalement c'est parce qu'il ne pouvait pas se déplacer. Euh, il, est là pas et il, est, il est là en train de digérer ce qu'il a mangé et il a utilisé ses ces poison,' ces venin de tuer ce qu'il mange mm. et si tu te fais mordre à ce moment là c'est t'as beaucoup de chance de survivre parce qu'il a plus la quantité de venin. Euh, mm. euh, euh, il doit fabriquer de nouveau du vénin mais il ne peut, peut, quelque... peut pas juste avoir faim lui et se dire en fait tiens il y a mycorn, euh, j'ai pas mangé depuis non, trop longtemps non non, je non, non me mais dès, dès qu'il ont <laughs> cette vibration qui, euh, qui est lourde et tout ça il sait qu'il est, est à risque. Mm. Et puis, en fait, euh, quand il a cette, cette vibration qui est très fine, comme un rat ou une souris ou mm. un truc, c'est là où euh, il dit, Ouais, là, on va attaquer. Ça, on peut calculer. On sait aussi bien que si tu es dans la jungle, tout ce qu'un singe mange, tu peux manger. Si tu es pas sûr, de ce que tu veux manger, tu regardes, tu observes et quand tu vois un singe au sommet d'un arbre qui mange des feuilles vertes, grimpe dans l'arbre et mange la même chose, tu vas pas mourir. Hmm. Et aussi après un mammifère dans les grandes lignes, s'il mange un truc, tu peux le manger toi aussi. Exactement. Et tout ce qui est un, 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 un petit oiseau, des oiseaux, mange en Afrique, tu peux manger. Hmm. Et comme ça tu tu sais plus ou moins ce que tu peux manger et tu peux rester vivant. Mais un animal, il doit se défendre. Et la manière qu'il se défendre est toujours pareille, est claire. Mais ta ton question, question oui. euh, c'était la plus grande danger. Ce n'est pas les animaux. Les animaux, on peut calculer leurs actions, mais l'homme, on ne peut pas calculer. Et quand je faisais l'attitude zéro et je me retrouvais devant ces pelotons d'exécution, c'était parce que je faisais confiance en quelqu'un. Et des moments quand tu fais confiance en quelqu'un et euh, cette confiance est cassée, euh, les situations changent. Mais dans la nature, les situations vis-à-vis -vis des animaux restent pareilles. C'est la difficulté, c'est qu'en effet, alors, dans ce que tu dis, tu ne peux pas déduire euh, de cette expérience que faire confiance à quelqu'un, c'est une mauvaise chose, parce que ce n'est pas une mauvaise chose nécessairement tout le temps. Mais la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'animal, tu sais à quel moment, entre guillemets, tu as confiance ou tu n'as pas confiance. Et, et, et voilà. Ça, c'est à 100%, euh, mais 100% vrai que l'homme que tu connais pas et il faut faire moins confiance que l'animal que tu connais pas. Mm. En fait, mais je dis pas qu'on doit perdre la confiance dans les gens. Um, ils disent que ils disent des, 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 des pessimistes, c'est des optimistes avec beaucoup d'expérience. Mm. Ça veut dire que dès que tu deviens un peu pessimiste, c'est que tu te fais brûler deux ou trois fois. Et jamais, me je, me je, me je me fais mordu par un serpent. Mais parce que... Euh, je voulais marcher la nuit, je voulais euh, repousser mes limites, je voulais traverser la jungle euh, plus, plus vite. vite oui. Et puis, en fait, il faut pas. Il a, il a un terrain qu'on doit respecter. Mm. Mais l'homme, il peut dire devant toi écoute, tout va bien, va là, il y a sécurité. Et dès que tu arrives là, c'est pas exactement comme il a dit. Et c'est justement là où je ne perds pas la confiance dans l'être humain. Mais je dis, mais il faut qu'on réfléchisse différent entre un animal qu'on considère comme dangereuse ou un homme qu'on considère qui est, qu est bien. Et, 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 en, et en plus, j'imagine que tu ajoutes à ça des éléments culturels. Je, moi, j'ai découvert en Asie que, euh, tu vois, quand tu poses une question à quelqu'un, tu veux lui demander... Euh, par où je vais pour aller euh, à tel endroit, il va toujours te donner une direction, même Exactement, si c'est pas parce, parce qu'il veut pas te décevoir. Voilà. Ouais. Et, et du coup, quand même, au début, c'est surprenant parce que tu dis c'est un mythe. Mais moi, je l'ai vécu plusieurs fois. C'est-à-dire que arrives, tu arrives, tu vas dans un endroit et tu te dis, mais, mais c'était pas du tout là. En mais fait. ça, c'est les touristes qui ne s'est pas posé les questions. <laughs> et, et oui, donc, en, en effet, en plus de l'homme et de certaines choses, tu as les cultures quoi, qui changent. Enfin, c'est lié. Hein, mais... Exactement. Ça veut dire que normalement, on voit souvent les gens, les touristes qui arrivent avec une carte. Et puis, ils sont un peu dans la jungle. Mm. Et puis, ils demandent euh, aux gens locaux, mais euh, d'y aller de là à là, euh, on passe par où Et puis, les gens disent, mais tu passes comme ça. Mm. Mais ils sont jamais vu une carte. Ils n'ont jamais vu une carte. Ça veut dire que toi, tu leur donnes la réponse déjà et eux, ils suivent ce que tu dis. Ça veut dire que moi, je demande toujours... Euh, euh, des questions un peu différentes. Tu peux poser en question dans cinq manières complètement différentes. Et si tu as cinq fois les mêmes réponses, ouais, probablement, ouais, probablement c'est la bonne réponse. Mais si tu as cinq réponses complètement différentes, ouais, euh, il faut pas croire ce qu'ils disent. Ça veut dire que normalement, on, on, on demande combien de temps ça va de ce point-là à ce point-là. Et puis après, il va dire, mais ça va passer six heures. Mais lui, il n'a même pas de montre. Mm. Ça veut dire que pour lui, six heures, il sait que c'est long. Mais si c'est six ou oh, huit ou oh, dix heures, pour lui, c'est pareil. Mm. Et tu peux leur dire que aussi, quand tu regardes la distance, tu connais en fait l'environnement. Tu sais que tu voyages pas loin, euh, vite dans la jungle. Tu dis, est-ce que ça prend deux heures de cet point-là à là? Et quand tu sais que ça prend six heures et tu demandes d'abord deux heures et lui, il dit oui, ça prend deux heures. Tu dis que il sait bon. pas. Oui, oui. Il sait pas. Ou tu peux, après, ils disent, mais tu penses pas que c'est plus que dix heures? Ils disent, ouais, 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 après, peut-être, euh, si tu marches lentement, c'est dix heures. Et tu sais que dix heures, c'est, tu vas être beaucoup plus loin. Oui. Et c'est la manière qu'on qu pose les questions quand on voyage. Il ne faut, il faut pas donner la réponse aux gens. Il ne faut pas la mettre dans une situation... Où... Ça, je pense que c'est vrai dans la vie de tous les jours, hein, d'ailleurs, mais euh, je ne sais pas si tu es d'accord, mais euh, ouais. je, ça, ça t'est déjà arrivé de rencontrer des gens, tu sais, au milieu, tu vois, peut-être même des touristes ou, de, je ne sais pas, d'autres aventuriers, mais dans des situations complètement incongrues, au milieu d'endroits où c'était quasiment impossible, tu vois, où il n'y a pas de... Pas d'hommes normalement, ça t'arrive ça Mais c'était incroyable parce que euh, sur l'île de Borneo, ouais. j'arrive euh, euh, vers une petite tribu d un petit tribut d'Andiens qui, qui a eu du contact avec les gens à l'extérieur et tout ça, euh, mais où une femme donnée euh, euh, était enceinte et ouais. puis elle, elle, a elle, elle a accouché et puis j'étais là pour lui donner un coup de main parce qu'elle était seule. Et ça, c'est des trucs euh, que, que oh, oh, tu ne penses jamais que tu vas faire au départ d'une expédition. Et parce que dans mes études, j'ai travaillé dans, dans l'hôpital, et puis j'étais là pour donner des coups de main aux femmes, et puis euh, tout ça, je pouvais donner un coup de main. Après aussi, euh, dans l'Amazonie, il y a beaucoup de bois qui est coupé illégalement et euh, c'est c'est encore coupé avec euh, lâche quand il n'y a pas de pas de tronçonneuse et du gasoil et j'ai coupé et j'ai arrivé vers quelqu'un qui a qui a vraiment coupé sa jambe oui. et là tu as tu, tu peux donner vraiment un, un coup de main aux gens pour sauver leur vie oui. et ça c'est des choses que que normalement euh, nous arrivent parce qu'on est on est Loin de la, la sécurité des grandes villes et des accidents qui arrivent normalement dans les régions comme ça, c'est des accidents qui sont pas mal graves et des fois mortels. Et moi, j'ai arrivé d'arrêter de, de, parce qu'il saignait, mmh. qui, avec un t-shirt et puis euh, en fait, un garrot les oui, oui. et tout ça. Euh, et puis après, je pouvais le transporter jusqu'à sa maison. Et puis, euh, c'était vraiment... Euh, si je n'étais pas là, je... il a très peu de chances de, mm. de survivre. Et puis après, c'est sûr qu'il y a des autres, des autres choses, mais beaucoup plus drôles, qui, qui arrivent. Et tu es souvent invité. Euh, moi, j'arrivais en Congo et il y avait une énorme fête. Mmh. Et puis, euh, cette fête, c'était prévu qu'on prend un avion, mais c'était dans une région de rebelles au okay. Congo. Et puis, euh, c'était les grandes rébellions re des MLC, le Mouvement pour la Libération du Congo et tout ça. Euh, qui, qui a organisé une énorme fête, et puis parce que j'arrivais dans ce village, on était du blanc, euh, et puis on, on a dit Mais ouais, vous, vous allez faire la fête avec nous, on va prendre l'antanof, et puis on va euh, voler pour une vingtaine de minutes, et puis on va, va faire un fait dans un autre village. Et je ne pouvais pas vraiment dire non. <laughs> et puis là, je dit On rentre dans l'avion, et puis il y a des poules, des poules. Des poules, des chèvres, des vaches et tout ça, dans l'avion avec nous, c'est l'ancien Antonov, et puis euh, euh, on se prépare pour partir, pour aller faire la fête, et puis Kabila attaque l'aéroport à Bois-de-Lité, et puis c'est des bombes et, et, et tout ça qui explose autour de nous, et puis tu vois tout le monde qui part, qui n'a plus envie de faire la, la fête, et puis qui sort de l'avion, et des, des trucs comme ça, tu, on ne peut pas on ne peut pas imaginer, ouais, ouais. mais c'est sûr que c'est pour ça que les expéditions rentrent intéressantes, ça, ça, ça reste intéressant. Pour rester sur l'humain, deux minutes, euh, parce que je vais devoir te laisser bientôt malheureusement. Euh, as, quand tu pars seul, tu es heureux d'être seul et quand tu retrouves du monde, tu es heureux de retrouver du monde ou... il faut, il... Quand on prépare quelque chose pour très longtemps, on a envie de partir. Et en anglais, on a deux mots, on a « alone », ça c'est « seul mm. », et « lonely, lonely ». Yeah. Et puis, moi je me retrouvais déjà dans un bar à Paris où je, du coup, ce serait... ouais, où je trouvais, où je connaissais personne. Et j'ai eu ce sentiment d'être « lonely, lonely ». Ouais. Je sais pas comment on dit ça en Solidaire, français. Un so « Solitaire bah, bah, » peut-être, mais abandonné » un peu. Ouais, vrai. ouais, tu es... Euh, tu es avec les gens autour de toi, mm. mais tu es lonely. Tu ne dois pas être là. Mais en fait, euh, seul dans la tente, j'aime être seul. Et j'ai jamais eu ce sentiment d'être lonely, seul dans la tente. Et, et ce sentiment qu'on a d'être... De, de euh, un peu seul, c'est souvent avec les gens autour oui, de nous. Oui, dans les grandes villes, on le sent encore plus que dans les petits villages, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de grosses densités de personnes Exactement. qui se connaissent ou qui, qui essayent de se retrouver. Ouais. Mais, mais, mais moi, j'aime bien être seul. J'aime bien rentrer et puis après être avec les gens. Mm. Et cette, cette adaptation de un de, de, travers de ce qu'on fait dans la vie, ça nous permet aussi de préparer l'arrivée. Ça veut dire qu'on s'adapte après deux ans et demi où on dit que maintenant je ne veux plus être seul, mais je vais être avec les gens. Et là, tu prépares déjà l'arrivée, de dire que Waouh, je veux de nouveau rigoler avec mes amis, je veux... tu, tu deviens excité pour arriver. Mais du moment quand tu arrives, tu es déçu parce que l'exploit est fini. Mais là, tu retrouves en fait les gens qui sont importants pour toi. Il y a souvent un blues hein, dans les courses en solitaire et tout, on dit euh, dans, dans, notamment dans la voile, hein, euh, ah ouais, euh, le ouais, retour ouais. au sol et tout, euh, doublement. Il euh, faut s'adapter déjà au sol et en plus. Tu as eu le mal de terre d'ailleurs euh, ouais, ouais, ouais. c'est sûr ouais. qu'après, après, dès que tu rentres, tu dis Mais waouh, je me, je me bats tous les jours pour arriver là et maintenant je suis là, je me bats pour repartir. Est-ce qu'il y a des qu qu'est-ce qu que tu peux faire de plus quand t'as fait le tour de t'as fait les plus grosses montagnes bah t'as pas fait le K2 du coup hein mais <rire> non non, <rire> mais, non mais, ça viendra, ça excuse-moi <laughs> t'as fait le tour donc euh, tu vois l'attitude zéro l'épaule euh, des montagnes des mers etc etc quel quel enfin euh, qu'est-ce que quel truc de plus t'as encore envie je pense que, comme je disais, la vie a 30 000 jours. Hein, mm. et puis on a un peu 15 000 jours de faire ce qu'on a envie de faire. Et puis je pense qu'on dit que la vie est courte. Euh, mais pour moi, la vie est pile bien juste, mm. calculée. Avec la grandeur de nos terres, avec ce que l'homme peut faire dans les temps. Euh, Aujourd'hui, il y a encore des choses que je veux faire. Bientôt, je veux partir pour 4 ans d'expédition. Euh, en même temps, J'arrive vers un âge où je dois changer l'orientation de ce que je fais. En même temps, j'ai vu notre planète dégrader. J'ai vu vraiment l'effet de, de notre échauffement. C'est une question que j'avais vraiment pour toi. C'est quelle est la différence entre de la planète telle que tu l'as sentie, parce que toi tu l'as sentie vraiment entre il y a 30 ans et aujourd'hui. Quand tu vois un, un grizzly qui tue un ours polaire, parce que l'ours polaire il est faible, dans l'article, tu dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Un ours peut sentir 50 km. Un ours peut nager 100 km. C'est un mammifère qui est, qui est lié à la mer. C'est pas un, 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 un mammifère terrestre. Mmh. Ça veut dire que c'est un mammifère marine. Il nage plus qu'il peut marcher. L'ours polaire. L'ours polaire. Oui. Il est beaucoup plus grande qu'un grizzly. Maintenant, la glace est à 150 km. L'ours, il saute dans l'eau, il nage 100 km, mais il ne peut pas nager 150 km juste d'un jour à l'autre. Il doit s'adapter. Après 50 km, il fait demi-tour, il va retourner sur la plage et il trouve rien à manger parce qu'il a besoin de la glace. Mm. Les phoques se mettent sur la glace. Lui, il attrape les, les phoques sur la glace. Mm. Mais s'il y a de l'eau partout, il ne peut pas, il nage pas aussi vite qu'un fou. Mmh. Ça veut dire qu'il est faible et sur la plage, les grises les trouvent à manger beaucoup plus au nord, ils rentrent dans l'Arctique et là, tout d'un coup, il y a un conflit. Maintenant, ce conflit, oui, il y a un moment de s'adaptation et puis après, c'est sûr que les animaux, ils s'adaptent beaucoup plus, plus facilement que les hommes parce que leur intérêt est différent. Et ce que je vois en travers de notre planète et la glace que je vois dans les Himalayas qui fondent au pôle sud, euh, en Groenland, euh, les animaux qui, qui changent leur, euh, leur comportement. Euh... L'eau aussi. Moi, ce qui m'a amené à penser à cette question, c'est que dans ta première expédition, en tout cas, euh, euh, de descente de l'Amazon en, en, en hydrospeed, là, tu... Tu dis que tu buvais de l'eau de l'Amazon. Oui, je le buvais. Comme mais ça. tu sais, en fait, quand tu dis ça, moi, ma première réaction, c'est de me dire, mais il est malade. Tu vois, en fait, et tu, ça nous semble normal. Aujourd'hui, c'est ça qui est quand même fou de me dire... Moi, déjà, quand je dis que j'ai nagé dans la Seine à plusieurs reprises, les gens me disent « Mais t'es complètement frappadingue, tu vois. Euh, » Je Je sais pas, non. Il y, y a un gros ouais, volume ouais, ouais, ouais. d'eau, oui, il y a des, des trucs ouais. très, mais, mais alors, de là boire... Bon, alors, j'ai bu la tasse, évidemment, c'est ouais. mais, <laughs> euh, mais en l'occurrence, euh, boire la tasse... Ouais. Euh, tu, on s'est habitué au fait que ce soit... Dégueux et pas normal l'agriculture. Ouais. Là, tu parles paillage je crois notamment ouais, mais... euh, de, de, l de chercheurs d'or, etc. Euh, mais en effet, c'est pas normal. Et ça, c'est vraiment empiré. Ça, tu le sens. Ouais, ouais ça, ça, ça en voit clairement. Et puis euh, juste par en fait, les arbres qui sont coupés, euh, la pollution dans l'eau. Euh, en mer, c'est des microplastiques. Euh, J'ai traversé cet, cet, cet septième continent, ouais. cette île flottante ouais. qui fait la taille de Mexique, et tu dis waouh. Tu le vois ça oh, vraiment, ça flotte tu, et tout. Tu, tu, tu le vois, euh, mais il fait six mètres profond. Oh. Mais euh, il y a certaines parties que tu vois pas parce que c'est que des microplastiques, et tu dis mais euh, c'est mort. C'est l'homme, il peut pas récupérer. Ça, parce que comment tu, tu récupères des microplastiques dans l'eau ouais. Et puis, en, en plus, ce qui, qui est intéressant, c'est que euh, moi, qui ai traversé le pôle Nord en 2006, quand j'étais au pôle Nord la première fois, la glace faisait 2,50 mètres d'épée au pôle Nord. Et je faisais une piste d'atterrissage pour un avion russe qui atterrissait au pôle Nord pour qu'on pouvait faire la recherche. Mm. Quand j'ai passé... Il y a deux ans, la glace faisait 8 cm au pôle nord. Ça veut dire qu'en 2006, 2 mètres 50, 2019, 14 ans plus tard, environ, il n'y a plus de glace. En 14 ans, ça a changé. Et là, je, je arrive vivant, je survis de l'expédition, c'est incroyable. Et je saute dans une voiture et je participe au, à Dak, au, au rallye du Dakar. Et là, des gens commencent à me critiquer. Mais comment tu peux faire ça? C'est pas possible. Tu dis que la glace fondre et tu sautes dans une voiture. Euh, tu es un hypocrite. Tu... Ça va pas. Ça va pas avec ton image. Mais j'ai décidé de participer au Dakar pour changer quelque chose. Mmh. Et aujourd'hui, on a... on a fait le lancement de notre pile à combustible d'hydrogène. Et Vous êtes arrivé dixième, e hein, c'est ça? Oui, ouais, on est arrivé 10 je jamais fait par avant. Première étape, on était 62e. Et tous les jours, euh, j'ai on a roulé trop, euh, plus vite. Et la dernière spéciale, on est 11 secondes derrière euh, Stéphane Peter Hansel qui a gagné. Et c'était waouh, wow, ouais, on a accompli quelque chose. Mais en fait, la manière que je le faisais. Avec les voitures du moteur euh, combustible, euh, en mettant du carbone dans l'air et tout ça. Euh, Ce n'était pas une bonne idée. Mmh. Et puis là, je disais en rentrant à mes filles qu'il faut que la prochaine fois que je participe au Dakar, que je, je le fais avec une voiture qui ne pollue pas. Et je, je décide de me lancer sur une autre aventure, de, de, de faire un pilote combustible, un hydrogène qui peut éventuellement être mise dans une voiture pour gagner un Dakar et tu utilises l'hydrogène. Mm. Et tu mets l'hydrogène et l'oxygène dans ces piles à combustible et l'hydrogène et l'oxygène s'en rencontrent, ça fait l'électricité et ça fait tourner les moteurs. Et aujourd'hui, ici à Paris, on a lancé notre euh, notre société Inocel qui nous permet dans les prochaines deux ans, de fournir des piles à combustible pour okay. toute la mobilité lourde. Et on peut commencer de décarboniser, en fait, notre planète. Ça veut dire que je ne suis pas un spécialiste en ingénieur, mais je prends la même méthode que j'applique à mes expéditions et que j'applique dans ma vie d'essayer de, 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 de faire quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Et c'est justement ça, il faut pas qu'on croit qu'on ne peut pas faire des choses chacun de nous est unique chacun de nous a quelque chose à porter mais il faut être inspiré faut cette inspiration qu'on recevoir, qu'on peut donner il faut pas sous-estimer cette inspiration mmh. parce que ça change tout le monde je suis tellement aligné, merci pour tout ça c'est là où, où, on, où on découvre en quelques minutes à la fin, alors moi je, je l'avais vu hein, mec tu as fait le Dakar de reprise quand même, je pourrais faire un épisode entier sur un thé Dakar, tu vois. C'est ça qui est. Ouais. <laughs> Alors qu'on aurait pu même ne pas en parler, tu vois. Euh, euh, allez, Toute dernière question avant, mes quelques questions habituelles. Euh, justement, là-dessus, c'est un c'est un, un engagement que tu veux prendre de de faire découvrir euh, euh, ou, ou de d'éveiller les gens sur sur ces changements. Aujourd'hui, c'était c'était peut-être pas l'origine de ton aventure, mais il 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 y a une envie de ta part de, de justement, enfin, promouvoir, faire changer les choses et les gens. J'ai vu mon terrain de jeu changer. Et moi, je veux laisser quelque chose euh, mieux euh, derrière moi. Et je pense que, travers de, de cet hydrogène et de la décarbonisation, euh, on peut donner l'espoir à notre planète. Mmh. Quand on dit que la mer réchauffe en degrés. L'instant, c'est 1,5 degré plus chaud. Ce n'est pas beaucoup, 1,5 degré. Mais en température réelle, ça fait 22 degrés sur Terre. La mer a chauffé 1,5 degré. La masse d'eau autour mmh. de notre planète. Imagine l'énergie qu'on met okay. dans l'eau pour le chauffer 1,5 degré. C'est comme, comme je disais, 22 degrés sur Terre. Mmh. C'est énorme. C'est énorme. Et, et, et je vois ces changements et moi je veux je veux faire tout ce que je peux pour laisser un planète intacte pour mes filles et c'est très dur euh, alors c'est vrai que toi ça va ça va c'est vrai que tu alors tu prends des avions et des choses comme ça mais c'est très dur tu vois je vois Yann Artus Bertrand lui a beaucoup reproché d'avoir pris des hélicos pour prendre des photos et des choses comme ça alors qu'aujourd'hui euh, je pense c'est très dur pour vous à la fois de défendre ça tout en en ayant aussi par le passé fait d'autres choses et, euh, et c'est compliqué. C est, c est, on est critiqué critiqués. Tu sais, mon, pa mon papa qui était joueur de rugby a dit, mais Mike, c'est la ville, elle est comme une grande forêt. Hein. Tu as beaucoup d'arbres, tu as des grands arbres, as des petites arbres et tout ça. Et des fois, tu trouves des arbres qui ont des troncs énormes et ils vont plus haut que les autres. Et quand il y a des tempêtes, c'est les grands arbres qui ramassent du vent. des vents. Mais les grands arbres, avec leurs grands troncs, ils ne cassent pas. Et ils protègent les petits dans la forêt. Ça veut dire que... Tu dois ramasser du vent dans la vie et tu dois pas casser parce que tu as tes pieds bien ancrés en fait dans la terre. Mm. Et en même temps si on n'ose pas, um, y, y, si tu ne veux pas sortir la tête, il faut pas. parce que c'est vrai que la critique c'est quelque chose qui construit ce qu'on fait, qui oriente ce qu'on fait. Et quand moi je suis souvent, un, pas souvent, mais aussi des fois critiqué par mes actions, je, je dois prendre l'avion pour arriver là où je veux arriver. Et quand je dis, mais je parte un, euh, avec mes voitures, qui est au standard et aux normes depuis la Suisse pour aller au Pakistan, je ne prends pas l'avion parce que les gens me critiquaient de prendre l'avion. Et je ne roule pas avec un vieux moteur au Pakistan mmh. qui fume noir. Je prends les dernières technologies. Et je pars depuis ma maison. Je t'ai critiqué parce que j'ai pris... Du il, faut que pied, Mike, il faut que tu ailles à pied, Mike. Et puis, en plus aussi, que, que j'essaie toujours de dire aux gens, c'est que... Es mais tout le <laughs> monde doit traverser le Nord. Imagine que tout le monde n'utilise pas de l'énergie pendant 138 jours, ou deux ans mmh. et trois mois autour de la socle articulaire. Je... Je charge pas mon téléphone, je regarde pas la télé, je n'ai pas de frigo ou de congélateur. Euh, non, j'ai vis des ententes, mais où je ne consomme rien. J'ai que la nourriture qui est avec moi, mais j'ai pas d'électricité. Mmh. Si tout le monde faisait ça. Euh, Imagine tout le monde fait ça, ça. oui. Après, j'ai dit, on va sauver notre planète. Est-ce que tu as un, euh, Parlant juste de routine ou quoi, euh, tu as quel âge, Mike? Oui, 56. 56. Hein. Pour être fit en forme comme ça, encore entre tes aventures, qu'est-ce que tu fais Tu cours, tu fais des abdos, des pompes, des choses non, tous les oh jours ouais, Non, je, je, je cours un peu tous les jours. Puis, je, tous vie, les jours, tu fais 10 km Ouais, ouais 10, 12 km. Puis. Notre vie, c'est un peu comme une flaque d'eau. Hein. Okay. Si, si de l'eau ne bouge pas, il pourrit et mmh. ça pue. Ça veut dire qu'on est quand même fait par 80% d'eau. Hein. Il faut qu'on bouge. Tu cours toujours à 6 h du mat non, non, mais là, là maintenant, c'est je cours quand j'ai du temps. <laughs> okay. Mais c'est sûr que je, on essaye toujours de les courir à dix, à 12 kilomètres. Avec des petits. vélos, un petit vélo. Euh, on a fait la tour du Mont Blanc, la UTMB euh, avec mes filles. Euh, Vous avez fait l'UTMB Ouais, puis on va Le faire cette km? année. Non, non. on a fait a venue... 50 okay. ou 40, Mais pas là maintenant, maintenant on va faire un autre et puis c'est une bonne sortie en famille. C'est clair, ouais. <laughs> 50 kilomètres. Euh, parmi toutes tes aventures, il y, y a un échec ou une épreuve qui est ta favorite, ta préférée Je pense que quand je me fais mordre par un serpent, c'était un échec parce que euh, je savais que ça pouvait m'arriver jusqu'au moment que euh, ça m'arrivait. On pense toujours qu'on est à l'abri des choses et qu'on sait mieux. Mais Dès que tu commences à penser comme ça, ça c'est la plus grande erreur. Et heureusement de ma vie comme explorateur, euh, j'ai passé par cette stade très tôt de ma vie euh, qui, qui m'orientait un peu plus dans la promesse que je faisais à Cathy. Mm. Et Cathy, quand elle me disait, je te donne la liberté, mais tu peux tout faire pour rentrer vivant. Et en fait, quand elle a tombé malade et, et moi, je voyais pas ma vie sans elle. J'étais vers Cathy et puis je disais, mais tu sais, Cathy, moi, je ne peux pas vivre sans toi. Je, je préfère de mourir avec toi. Puis elle me regardait, et elle était un peu malade à ce moment-là et tout ça. Puis elle disait, mais Mike, tu ne dois pas mourir avec moi, mais tu peux vivre pour moi. Ça veut dire qu'en fait, notre vie... Si on vit à fond, c'est un privilège. Et puis on peut vivre pour les autres qui est plus là. Et quand on a une mission comme ça dans la vie, c'est une mission mais qui, qui rentre la vie, mais super intéressante. Et on n'a pas envie de, de, de juste rien faire. On a envie de vivre pour tout le monde qui vit pas. Il y a ta fille qui s'impatiente derrière, alors je vais te laisser. Euh... Une question, on te, deux questions. On te suit sur YouTube, Facebook, Insta, partout. Ouais ouais, 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 un peu on partout. Ouais, ouais, Là, on ouais, peut ouais. te communiquer, te contacter. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider euh, Je veux dire, euh, c'est des conférences, d'autres choses, des sponsors euh... Ouais, mais sponsors, mais, mais toujours. Ouais, toujours. les <laughs> voilà. bio, pour moi, pour moi. c'est eh bah, Mais aussi, qui est intéressant, on a un projet euh, qui est vraiment lié à trouver des solutions euh, pour la nature et puis. Euh, on a lancé un projet qui s'appelle Pangaea X et ça nous permet de donner des opportunités aux jeunes de, de trouver des solutions euh, comment on peut, on peut préserver en fait la nature pour la génération à venir. On met tous les liens dans les pages du podcast, je vais les demander euh, autour de toi et puis euh, euh, voilà. Euh, tu aurais un livre à me recommander Un seul bon, L'attitude zéro pour ceux, ça c'est ouais, toi, sur... mais un truc de quelqu'un d'autre ouais, que... La dernière, c'est survivant de la glace, c'est ouais. C'est vraiment intéressant parce que là, ça a failli mal passer. Bon, je dois quand même te dire un truc que tu as mal fait. C'est que ta maman t'avait dit qu'il fallait que tu rentres entier. Ouais, ouais. Et je... tu <laughs> pas rentré entier, Mike. Hein. Et ta <laughs> femme, on sent qu'elle est quand même protégée aussi malgré ouais. tout. Tu vois. Ouais, mais tu vois, il faut, comme je dis, il faut croire en quelque chose. Et puis, des fois, autour de moi, dans les moments difficiles, je crois juste qu'il y a des gens qui ne sont plus là, qui me regardent et qui me donnent leur force et puis, il rigole souvent parce que je fais plein d'erreurs, et c'est justement à travers des erreurs qu'on apprend. Merci Mike Horn. Je vais faire plein d'erreurs moi aussi. J'en fais plein, mais je vais ouais, faire encore plus. Il faut continuer. <laughs> merci beaucoup. Euh, merci d'être venu aussi vite. Et puis de euh, ton temps, je te laisse filer avec Jessica avant qu'elle elle arrive avec un couteau, je pense, pour m'égorger. Pour je pense que c'est possible. Merci à beaucoup. Ciao. Super merci plaisir. Jessica et merci à Annika aussi pour votre. Et puis, et puis euh, voilà, Jérémy. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. Merci, ciao.